Merci, merci à tous. Je vais laisser peut-être Daniel Perrocorpé présenter le programme dans lequel s'insère cette journée d'études et puis peut-être aussi de nous donner des pistes de démarrage pour essayer de comprendre hein, ce que peut être le devenir numérique hein, de ce storytelling si profondément discuté. Je signale d'ailleurs qu'en parallèle à notre journée d'études, a lieu une journée d'études sur le storytelling. Alors, on a discuté avec la collègue qui préfère la mise en récit dans des discours professionnels qui est organisé par des collègues anglais, ils travaillent en anglais en infocom, donc dans un amphithéâtre juste à côté. Donc c'est assez singulier et en même temps très signifiant que deux journées d'études sur le storytelling soient organisées le même jour dans notre université. Merci Alexandre. Alexandre Geffen, justement, co-organisateur de cette journée, que je remercie vivement pour son indispensable collaboration de spécialistes en matière d'écriture numérique et de genre biographique. Et je le remercie également pour le soutien apporté à cette journée d'études par le programme ANR Pouvoir des Arts, dont il est co-directeur. Donc voilà, c'est la troisième journée d'études qui est organisée dans le cadre du projet que je coordonne pour le Centre de recherche en littérature comparée de Paris-Sorbonne et pour le laboratoire d'excellence Aubeville, Observatoire de la vie littéraire, l'ABEX, dont l'un des axes de réflexion porte sur les questions touchant la définition de la valeur littéraire. Alors, pour rappeler un petit peu le cadre général du projet à l'occasion duquel nous sommes réunis aujourd'hui, le projet Storytelling, donc tel qu'il apparaît dénommé sur le site du LabEx Aubeville, aux côtés de 20 autres projets actuellement en cours, ce projet s'intitule dans sa longueur Fiction littéraire contre Storytelling, un nouveau critère de définition et de valorisation de la littérature, point d'interrogation. Et il se donne pour but de réfléchir à ce que devient la littérature face à l'ampleur sans précédent, comprise depuis une vingtaine d'années, les nouveaux usages stratégiques du récit, c'est-à-dire le recours massif au charme bien connu de la forme narrative dans le discours de la publicité, du management, de la politique, etc. Autant de discours qui poursuivent des objectifs de rendement commercial, électoral, etc., qui sont parfaitement chiffrables. Alors face à l'explosion de ces usages instrumentaux du récit, qu'on a pris l'habitude de rassembler sous le terme de storytelling, depuis le livre polémique de Christian Salmon paru en 2007, Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits. Donc face à cette explosion des usages instrumentaux du récit, que reste-t-il à la fiction littéraire qui lui serait propre? Y a-t-il des critères formels ou seulement pragmatiques d'une littérarité qui serait irréductible, qui appartiendrait à certaines fictions, à l'ère de la communication narrative triomphante? C'était les questions qui avaient été posées lors de la première journée d'études le 16 mai dernier. Intitulé Face au storytelling, selon quels critères définir la fiction littéraire. Ensuite, il y a eu une deuxième journée d'études en novembre dernier autour des enjeux de l'expérience de la lecture comme clé possible dans cette réflexion sur les éventuels nouveaux critères de la littérarité. Alors, ça n'est pas le lieu là maintenant d'exposer les conclusions des différents intervenants de ces deux journées d'études et d'autant moins qu'on est loin d'être arrivé à un consensus. Mais justement, je voudrais quand même faire remarquer, au bout de bientôt 2 ans de réflexion sur ce sujet, deux choses. D'une part, la diversité des positions que défendent les chercheurs en littérature à propos de cette question de la définition et de la valeur de la fiction littéraire face au storytelling, une notion elle-même comprise de manière assez diverse par les uns et les autres, ceci expliquant cela, peut-être, encore un autre sujet. Et d'autre part, la vigueur avec laquelle ces mêmes chercheurs défendent leur position, y compris quand cette position consiste à dire, ça arrive, que cette question est nulle et non avenue ou complètement dépassée. Dans le même temps, c'est l'autre chose curieuse et qui fait contraste, les écrivains, tous les écrivains, une douzaine quand même, qui sont intervenus dans le séminaire cycle de conférences, de rencontres, pardon, qui a lieu depuis janvier 2014 à la Maison de la Poésie. Tous ces écrivains ont paru faire spontanément et fermement la différence entre leur propre pratique artistique et le storytelling ambiant,
à partir duquel et d'une façon ou d'une autre contre lequel ils écrivent. En revanche, du côté des écrivains, c'est plutôt la notion de fiction littéraire qui s'est trouvée parfois mise à distance, soit à cause de la part d'affabulation que porte avec lui le terme de fiction, qui peut sembler malvenu pour désigner certaines pratiques contemporaines qui visent l'expression d'une réalité factuelle, soit à cause du lien historique du littéraire avec le livresque, avec la production de textes écrits, imprimés et reliés en volume. Et c'est là que j'en arrive, enfin, à notre journée consacrée aux pratiques de lecture et d'écriture de soi à l'ère numérique. C'est que la question du récit de soi à l'ère numérique est incontournable dès lors qu'on s'intéresse aux pratiques littéraires ou disons artistiques dans le contexte du storytelling. D'abord parce que l'explosion du storytelling au sens étroit de techniques de communication, cette explosion est consubstantielle à l'essor d'Internet qui a complètement bouleversé les données de la communication commerciale en faisant perdre aux marques le contrôle de leur image de marque et en démocratisant l'accès de nouvelles marques à la visibilité publicitaire. Et parce que, avec le développement des réseaux sociaux et des algorithmes de reciblage personnalisés, notamment, Internet est devenu l'espace de diffusion par excellence de ces stories conçues par des professionnels du storytelling pour être aussi virales que possible. D'autre part, cette question du récit de soi à l'ère numérique, elle est cruciale parce qu'Internet est devenu, via les réseaux sociaux, les blogs, certains jeux, l'espace par excellence de l'exposition narrative de soi. Dans la postface de 2008 à son livre « Storytelling », Christian Salmon pose d'ailleurs un regard franchement négatif sur ce phénomène. Alors je le cite « Au niveau individuel, le storytelling se manifeste aussi dans de nouvelles techniques d'écriture et de jeu, entre parenthèses « digital storytelling », aux applications sans cesse nouvelles, blogs, chats, jeux interactifs en ligne, qui permettent aux individus de prolonger l'action régulatrice des pouvoirs par des conduites d'auto-examen et d'auto-contrôle. Cette mise en récit de l'existence par le sujet lui-même généralise un nouveau mode d'individuation, une auto-présentation de soi qui est à la fois écriture et exhibition, auto-contrôle narratif des individus, autoblographie, webcam, Second Life. Ce qui est en jeu aujourd'hui à tous ces niveaux à la fois, c'est l'apparition d'une même raison régulatrice qui consiste à réduire et à contrôler, par le storytelling et les machines de fiction, les conduites individuelles. Cependant, en bon lecteur de Deleuze et de Foucault, Christian Salmon reconnaît lui-même l'existence de certaines pratiques minoritaires qui résistent victorieusement à cette vaste entreprise de traçage des entreprises individuelles que mènent les médias dominants. À travers l'injonction au récit lancée par toutes les instances du pouvoir, écrit-il encore dans la conclusion de son livre en 2007 cette fois, nous assistons bien à l'émergence d'un nouvel ordre narratif, mais s'affirme aussi en résistance des pratiques symboliques visant à enrayer la machine à fabriquer des histoires, en défocalisant, en désynchronisant ces récits, rien de moins qu'une contre-narration. Fin de citation. En l'occurrence, si l'injonction au récit de soi sur les réseaux sociaux numériques, dans les blogs, dans certains jeux en ligne, est en effet porteuse d'un risque d'aliénation de soi dans des dispositifs préformatés, dont la visée est d'uniformiser les profils d'internautes, consommateurs, citoyens, modèles à des fins de rentabilité commerciale ou gestionnaire. Ces dispositifs sont riches également de possibles contournements, de résistances par lesquelles le sujet produit sa propre liberté dans l'invention de soi. Alors, en attendant, c'est le dernier point que je voudrais évoquer, il n'est pas anodin que les agences de storytelling se soient emparées de la notion ricœurienne d'identité narrative pour donner une caution philosophique à des, ou peut-être un habillage, un saupoudrage, à des entreprises qui relèvent parfois de la manipulation pure et simple. Je donnerai deux exemples. D'abord, un article en ligne sur le site du cabinet de conseil M2IE, je ne sais pas s'il faut prononcer comme ça, article intitulé « Storytelling et résilience organisationnelle, l'exemple de Nissan », qui vante le redressement de la firme japonaise Nissan de 1999 à 2005, après son rachat par Renault et sous l'impulsion de son nouveau patron français, Carlos Ghosn, comme, je cite, « une bonne illustration de la force de l'identité narrative ». L'auteur de l'article ne se prive pas de renvoyer son lecteur désireux d'en savoir plus sur l'identité narrative à l'ouvrage de Ricoeur, soi-même comme un autre. Il explique comment ce patron a su s'appuyer sur les mythes fondateurs de l'entreprise,
pour, je le cite, créer les conditions de la motivation des salariés en donnant du sens à l'histoire, en gardant en mémoire ce que les acteurs ont construit, ce en quoi ils croient, les systèmes symboliques qu'ils ont engendrés. Du redressement spectaculaire de Nissan, Carlos Ghosn a fait un véritable récit d'entreprise dont il a commenté les différents rebondissements. Soulignant que l'opération était une alliance entre égaux et non pas une fusion, ce qui aurait pu être perçu comme une absorption d'un vaincu par un vainqueur, il a constamment répété que les stratégies choisies respecteraient l'identité de Nissan, son histoire et son passé. Pour chaque salarié, participer à la renaissance de Nissan permettait ainsi d'effacer l'humiliation personnelle et nationale subie, sans toutefois renier sa longue histoire. En proposant à ses salariés d'écrire avec lui cette nouvelle aventure, Carlos Ghosn a enclenché un processus de réenchantement par lequel il est devenu possible de s'inventer de nouveaux futurs. Fin de citation. Moralité, cette magnifique aventure dont les salariés japonais étaient les héros et qu'ils ont censément coécrite dans l'enthousiasme avec leur nouveau patron français a permis de faire avaler la suppression de 21 000 emplois. Bon, moins franchement cynique, deuxième exemple et dernier, telle agence de coach professionnel pour les entreprises, Media Coaching, qui vante la formation qu'elle a fondée, intitulée Pratique narrative, suivie du cycle R, marque déposée, Pratique narrative. La page de présentation de cette formation porte le titre « Une conception littéraire de l'identité comme mobile et négociée » et elle s'ouvre sur un passage célèbre de la conclusion du troisième volume de « Temps et récits » dans lequel Ricoeur définit l'identité narrative comme constitutive de l'ipséité, du soi-même, une identité qui inclut la possibilité du changement, de la mutabilité, toujours ouverte aux refigurations incessantes par lesquelles se constitue le sujet, lecteur et scripteur de sa propre vie dans le temps raconté, cette identité narrative qui, selon Ricoeur, est la seule à permettre de répondre à la question « qui suis-je » par opposition à la notion abstraite et substantielle de l'identité au sens du « même » qui enferme dans l'opposition binaire du « même » et de l'autre et qui est inapte à penser l'expérience subjective dans le temps. Ça, c'est pour l'identité narrative de Ricoeur, donc, qui est assez longuement cité, mais suit le commentaire des propos de Ricoeur en ces termes. L'histoire façonne l'identité. De même qu'en littérature, c'est l'intrigue qui détermine les péripéties du roman, c'est l'histoire de vie, le thème, qui façonne l'identité des gens, et non l'identité qui façonnerait l'histoire. La croyance populaire voudrait que nous ayons une réalité intérieure, voire une vérité intérieure qui serait délivrée à l'extérieur. En fait, c'est le discours que nous émettons qui fabrique la cohérence de notre histoire et par là même notre identité. Et suivent des citations de spécialistes de psychologie comportementale et de thérapie de groupe. Donc on voit bien comment les simplifications abusives de la notion ricœurienne, vidées en outre de toute articulation à la visée éthique, qui est primordiale chez Ricoeur, peuvent facilement servir de caution pseudo-philosophique à ces entreprises de mise en valeur de soi, où on donnera à valeur toutes les connotations marchandes qu'on voudra, dans un monde où toute l'affaire est de savoir se vendre, ces entreprises de promotion de soi que deviennent volontiers les récits de soi sur Internet, préformatés par des dispositifs qui privilégient la lisibilité immédiate, l'effet de choc susceptible de capter d'un coup la précieuse attention d'éventuels lecteurs, et d'une manière générale la brièveté. Et pour s'en convaincre, et j'en termine, il suffit d'appliquer au récit de soi cette définition du storytelling que j'ai trouvée sur le site d'une agence de communication et de la méditer. Je cite « Le storytelling est une méthode de communication basée sur une structure narrative du discours qui s'apparente à celle des contes, des récits. Il consiste à faire émerger une histoire séduisante et convaincante et à l'utiliser comme vecteur pour faciliter l'acceptation d'un message. » Le storytelling utilise l'émotion pour exposer un raisonnement. Il se déroule comme suit. 1. Capter l'attention et stimuler le désir, émotion. 2. Emporter la conviction, raisonnement. Le storytelling renforce l'adhésion de l'audience dans les domaines de la stratégie, du marketing, de la communication, etc. Donc, on peut dire, le storytelling de soi vise à séduire pour convaincre l'autre, là où l'identité narrative, au sens de Ricoeur, relève de la connaissance de soi en vue d'une assomption de la responsabilité éthique devant autrui. Mais bon, cela dit, séduire pour convaincre, c'est au programme de la rhétorique depuis l'Antiquité grecque, et d'ailleurs la littérature aussi en sait quelque chose. Donc, storytelling ou identité narrative, telle est la question. Et donc, je vous laisse maintenant la parole pour y réfléchir en vous remerciant de votre attention. On va commencer par écouter Benoît Leprince. Vous êtes rédacteur en chef délégué
des éditions numériques de Paris Match et rédacteur en chef de l'édition iPad, c'est ça ? Tout à fait. Et votre communication s'intitule « Du poids des mots, choc des photos, au storytelling multifréquence », où on reconnaît donc la devise de Paris Match. Oui, tout à fait. Bonjour, je voudrais remercier Alexandre Jeffen qui a bien voulu m'inviter à parler devant vous. Je suis d'autant plus ému que j'ai fait une année de licence à la Sorbonne, donc d'une certaine manière c'est pour moi un retour aux sources. Je vais donc essayer de vous parler de Paris Match, la façon dont nous construisons notre journal, dont nous construisons nos histoires. Donc je vais partir du journal papier, puisque à l'origine nous avons bien sûr ce qui a constitué l'essence même de la presse magazine en France, avec ce journal lancé en 1949. La promesse de Paris Match, le premier accès, ça commence avec la couverture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous décliner un peu la manière dont Paris Match s'est conçu rapidement, et ensuite la façon dont le numérique est venu enrichir, compléter et aussi envahir la manière dont le Paris Match construit ses histoires. Alors, on commence à Paris Match avec le produit d'accès premier, c'est-à-dire celui que vous trouvez en kiosque, la couverture. La première promesse d'histoire à Paris Match, c'est la couverture. Là, vous avez la couverture du numéro 1 de Paris Match en 1949. Et donc là, vous voyez que ça ne commence pas très bien, en fait, parce qu'au lieu de choisir une histoire, en fait, on balance entre quatre histoires. Il y a un peu de guerre, une photo de Churchill avec la main devant le visage. Donc on peut trouver ça plus ou moins heureux. Une image de théâtre et puis ça, sans doute une image de guerre. Il faut attendre en fait 1950 et la victoire de Lachenal et Maurice Herzog sur la Napurna, la conquête du premier 8000, pour que Paris Match trouve enfin sa voie, c'est-à-dire raconter des exploits, des histoires, faire partager une émotion, faire communier le lecteur dans une histoire commune. Là en l'occurrence c'est une histoire patriotique, puisque d'une certaine manière c'est la première victoire française après la guerre de 1945, la France a conquis le premier sommet au-dessus de 8000 mètres dans l'Himalaya. Alors, Paris Match, c'est bien sûr c'est des vedettes, c'est des monarques, c'est des princesses, mais ça peut être aussi Paul Claudel. À l'occasion de son décès, Paris Match avait fait un grand numéro avec un article d'une quinzaine de pages consacré donc au poète et académicien. Bien sûr, on a Monaco. Donc ça, c'est la première couverture avec Grace Kelly et Régnier de Monaco. Exploit sportif à nouveau, le héros français, Éric Tabarly, vainqueur de l'Atlantique devant les Anglais. Ça devait être, c'était pas la première transat, ça devait être la deuxième transat. Paris Match a quand même connu des vicissitudes. Au milieu des années 70, au début des années 70, pardon, face à l'invasion de la télévision, Paris Match est en train de se demander si finalement sa formule n'est pas complètement datée et s'il ne faut pas s'orienter vers une formule du type news magazine comme l'Express, le Nouvel Observateur et le Point qui vient de naître à l'instant. Ce qui donne des couvertures pas forcément très heureuses. J'ai été gendarme à Saint-Tropez et est devenu légendaire dans la rédaction. On abandonne même carrément l'idée de la couverture, de la photo choc ou de la photo qui va rassembler en remplaçant la photo d'origine par une espèce d'infographie un peu foireuse. 1976, c'est le retour aux fondamentaux, avec le retour de André Théron, de Roger Théron, le directeur légendaire de Paris Match, et qui, avec la mort de Mao, va remettre Paris Match sur ses rails. Alors, on retrouve bien sûr les histoires classiques, Diana,
les grands scoops, Mitterrand et la révélation de l'existence de Mazarine, les événements chocs, la prise d'otage d'un Airbus A320 Alger Paris à Marignane, donc photo très mauvaise, prise au téléobjectif de très loin, mais qui a le mérite de mettre immédiatement le lecteur au cœur de l'histoire et qui sait ce que Paris Match va lui raconter, comment les gendarmes du GIGN ont repris l'avion et sauvé les otages. Alors là, on a l'exemple type d'une couverture qui aurait dû marcher et qui n'a pas du tout marché. On a Gérard Klein, donc on est en 1998 si je me souviens bien. C'est le héros de l'Instit, qui est une grande série populaire à la télévision. Et Paris Match se dit, Gérard Klein, c'est un excellent client pour Paris Match. Les gens ont envie de savoir qui est Gérard Klein. Le problème, c'est que Gérard Klein, c'est le numéro 1 de la France heureuse. Et comme chacun sait, les gens heureux n'ont pas forcément d'histoire. Et c'est un peu le problème avec Gérard Klein, c'est qu'à part qu'il est l'acteur de vedette du moment, il n'a pas d'histoire. Et donc, les Français, les lecteurs se sont détournés de cette couverture de Paris Match. 2001, cette couverture est importante parce que elle ne représente pas seulement le choc, la sidération du 11 septembre 2001, mais aussi le basculement de Paris Match dans le numérique au niveau photo. Jusqu'à cette date, le numérique, la photo numérique, n'avait fait qu'une entrée timide au sein de Paris Match. Avec le choc du 11 septembre, toutes les routes aériennes sont coupées à travers l'Atlantique. Le seul moyen d'avoir des photos de l'événement, c'est désormais de passer par les réseaux numériques et de récupérer donc des photos non plus sous forme argentique, mais sous forme de bits. Et c'est là où en fait Paris Match va basculer une première fois dans le numérique avec la photo. Alors, ce qui fait aussi le succès de Paris Match, ce sont bien sûr les sujets, je dirais un peu nécrologiques, les grands acteurs, les grandes personnalités. Et Mandela est l'exemple type des couvertures historiques de Paris Match que les gens, que les lecteurs nous demandent parce qu'ils ont envie de retrouver la vie de ces personnes et d'une certaine manière, ils conserveront ensuite ce numéro. C'est les numéros comme Mandela, les numéros comme ceux pour la mort de Diana sont des numéros que les gens collectionnent, gardent parce qu'ils veulent garder ce souvenir de l'histoire. Alors, Paris Match, c'est bien sûr aussi le mélange entre le people, la politique et le journalisme, puisque là, Valérie Trier-Weller, journaliste à Paris Match, amie du président de la République, là, c'est au moment de la sortie de son livre, mais j'aurais pu sortir bien d'autres couvertures. La liberté est plus forte que la terreur. L'édition actualisée, en fait, parce que c'est la couverture de l'édition iPad dont je m'occupe, comme elle a été bouclée plus tard que le papier, après on a eu la possibilité de mettre plus de photos dans le journal de la manifestation du 11 janvier. Et là on a un deuxième basculement à Paris Match, c'est-à-dire que la séparation qui existait toujours bon gré mal gré entre ce qu'on appelle la rédaction du papier ou du print et la rédaction numérique est une frontière qui s'efface, c'est un mur qui est en train de tomber. Et les deux dernières couvertures tournent autour de celle que vous avez et celle de la semaine précédente, c'est le crash de l'Airbus A320. Et je vais essayer de vous raconter un peu comment on a essayé de gérer à la fois sur le papier et sur le numérique cette histoire, qui est une histoire qui est toujours en train de s'écrire, où le papier marque des jalons et où le numérique en fait va proposer un flux d'informations continu. J'aurais pu vous montrer aussi des couvertures de faits divers. D'une certaine manière,
L'ADN de Paris Match est aussi dans les couvertures de faits divers. Je me suis arrêté là. Je vais vous montrer maintenant un peu dans le print comment les histoires se construisent dès les années 50. Alors ici, nous sommes à Saigon en 1955. Dans une période un peu bizarre et un peu confuse, c'est-à-dire que c'est après Dien Bien Phu et les accords de Genève. Les Français sont encore présents, mais ils sont consignés. Le général Diem est chef de gouvernement, il n'a pas encore chassé l'empereur Bao Dai du pouvoir. Et à Saigon, grenouillent les sectes qui vont tenter d'un coup de force et de renverser le général Diem, ou en tout cas de lui imposer son gouvernement. Alors, on est dans le Paris Match, un peu dans le feu de l'action. Donc, on a une ouverture du journal qui est dans le feu de l'action. On n'a pas une image qui se dégage en particulier. On va avoir plutôt une espèce de fil conducteur de l'actualité qui se traduira donc par une multiplicité de photos. Là où Paris Match maintenant arrive à choisir la photo qui doit dominer, là on s'aperçoit qu'on est dans une situation d'espèce d'entre-deux où Paris Match mélange plusieurs types d'images, de cadrages, de formats de photos pour essayer de raconter son histoire. Alors on s'aperçoit qu'à chaque fois, ce qui est important de toute façon, ce sont les personnes, c'est-à-dire c'est un chef de secte, c'est le général Diem et celui qui vient lui prêter allégeance. À chaque fois, il n'y a d'histoire à Paris Match que d'histoire que d'hommes. Mais il y a toujours une exception qui confirme la règle. J'ai trouvé récemment cet exemple absolument frappant, c'est la mort du roi Farouk d'Égypte. Donc nous sommes également en 1955. Le roi Farouk, qui avait commencé jeune, populaire, avait terminé Bouddha, adipeux, mégalomane et psychopathe, avant d'être chassé du pouvoir par les officiers égyptiens. Il termine dans une boîte de nuit à Rome. Il n'y avait pas de photographe qui était là. Il n'y avait pas non plus la télévision. Et Paris Match, d'une certaine manière, je trouve, trace à la fois le portrait et l'oraison funèbre de cet homme. Et je dirais que ce n'est pas son misérable petit tas de secrets, mais c'est presque ça. Un pistolet automatique, un Coran miniature, une montre, quelques billets, une gourmette, des clés. Ainsi passe la gloire du monde. Je vais passer maintenant à des sujets un peu plus récents. Je vais accélérer pour ensuite arriver sur le numérique. Voilà. Donc là, nous sommes le baptême de Baby George. Donc la photo évidente, c'est la famille assemblée. C'est-à-dire, on ne propose pas une monarchie distante, mais on essaie de faire adhérer le lecteur à cette vision de la monarchie. Donc, c'est à la fois la monarchie maintenant et la monarchie autrefois avec la reine Victoria, avec son fils aîné, son petit-fils, Édouard VIII. C'est la famille un peu une famille un peu comme les autres. Le prince héritier a épousé une roturière. Le lecteur de Paris Match est censé adhérer à cette vision de finalement ces gens-là sont un peu comme nous. Et on termine par le grand récit par un écrivain, Irène Frein.
La deuxième partie de Paris Match, après la photo, c'est bien sûr l'histoire, le récit, où le lecteur, après s'être incarné à travers les photos, va s'incarner à travers le récit que va proposer Paris Match. Je vous ai montré la couverture, je vous ai montré quelques papiers. Le Paris Match aussi, c'est une manière de construire une histoire à travers une multiplicité d'histoires. Ici, vous avez, en fait, ça correspond au journal qui a été distribué parmi vous. Alors, vous pouvez voir en haut, tout ce qui est en gris, ça correspond aux pages de publicité. Donc, vous les voyez, elles sont au début, à la fin du journal et au milieu, ce qu'on appelle, nous, le cœur chaud du journal, il n'y a pas de publicité. Donc, au début, la culture, à la fin, tout ce qui est vivre, match, mode de vie, et certaines rubriques éphémérides. Et ce qui est frappant, c'est que le découpage de Paris Match en histoires séquencées, on commence par le pilote, on continue par la politique avec Sarkozy, on enchaîne ensuite sur Céline Dion, etc., etc., peut être vu aussi comme une méta-histoire. C'est-à-dire qu'on a le fils maudit, le pilote, suivi du retour du fils prodigue, Nicolas Sarkozy. La mère de famille qui défend ses enfants et qui essaye de sauver son mari de la mort, puisque René, le mari de Céline Dion, souffre d'un cancer qui évolue extrêmement mal. On enchaîne ensuite sur la fille qui défend son père, c'est la fille de Jean-Marc Ayroux qui a réalisé un documentaire qui sera bientôt diffusé à la télévision. On a une coupure ici avec le printemps et on redémarre sur une deuxième séquence, la grotte Chauvet. C'est un peu, il y a un peu une espèce de symbole maternel qui rebondit sur Jean-Paul Gaultier et les femmes qui ont fait sa vie. Le cri, est-ce que c'est un cri de naissance? Estelle Hallyday sortant de l'onde comme Vénus. Chaque sujet raconte son histoire propre et chaque sujet, en même temps, enchaîne une histoire à imaginer à partir de la succession de reportages de Paris Match. Je vais vous donner quelques chiffres, mais rassurez-vous, il n'y en aura pas beaucoup et je ne vais pas vous assommer avec... Surtout pour vous indiquer un peu quelques ordres de grandeur. Donc Paris Match, 620 000 exemplaires, 3,7 millions de lecteurs. En comparaison avec l'affaire de l'A320 et de la mystérieuse vidéo dont nous vous parlons et que nous ne vous montrons pas, nous avons eu 1,6 million de visiteurs uniques, c'est-à-dire qui sont venus même à plusieurs reprises, mais qu'on ne compte que pour une fois, en 3 jours, pour se renseigner sur l'histoire de l'A320. 6 millions de pages vues, ça veut dire que ces gens sont venus pour lire nos papiers, mais sont venus aussi pour regarder les photos. La vidéo de notre reporter a été vue 720 000 fois. Et donc, par comparaison, 1,6 million visiteurs uniques, c'est autant qu'il y a un an, au mois d'avril 2014. Le choc du numérique, c'est aussi ça, c'est-à-dire que la promesse d'histoire, de récit, de Paris Match, maintenant, c'est plus uniquement le papier, c'est maintenant aussi tous les aspects numériques et au premier chef, le web, que ce soit en version mobile ou en version fixe. En même temps, le papier a toujours de beaux jours devant lui, d'une part parce que c'est encore le papier qui nous fait vivre, c'est le papier qui gagne de l'argent, et aussi parce que le papier, c'est là où est le temps d'arrêt du lecteur.
6 millions de pages vues et peut-être pas plus de 8 secondes passées en moyenne sur chacune de ces pages par les internautes. Le temps de lecture était calculé sur des sites qui sont des sites aussi bien de presse, de médias, que des sites marchands. Donc on peut supposer que le temps de lecture, j'espère que le temps de lecture sur les pages de Paris Match sur leur site est plus élevé que 8 secondes. On m'a parlé de 15 secondes, mais je ne pense pas que ce soit beaucoup plus. Et donc, en comparaison, la lecture moyenne d'un quotidien papier en 2013, c'était 1h20. On peut supposer que Paris Match est à peu près aussi dans ces ordres-là. La 320, c'est peut-être l'exemple dans l'actualité qui va nous permettre de rentrer le plus facilement dans ce qui correspond à l'évolution du storytelling avec l'irruption du numérique. Alors, on va partir de l'édition iPad dont j'ai l'honneur de m'occuper. En fait, quand on commence à Paris Match à parler du... Excusez-moi, je change de numéro. Paris Match se préparait à faire sa une sur la visite de Laetitia et Felipe d'Espagne. On était en fin de bouclage, donc le mardi. Le journal papier normalement se termine le mardi. Et nous apprenons la catastrophe. On ne sait pas ce qui s'est passé. On sait juste qu'un avion s'est écrasé dans les Alpes, qu'il y a des Espagnols. On n'a pas de photos, on n'a pas de couverture. Donc on reste sur cette couverture. On change l'accroche, puisqu'on sait à ce moment-là, de toute façon, qu'ils annulent leur voyage. On a pu récupérer des premières photos du drame. Et pour l'instant, l'histoire, c'est juste des débris, des gens frappés par l'horreur, des politiques qui se rendent sur place, des images qui se veulent fortes, celle de François Hollande entouré de Rajoy et de Merkel, le Premier ministre espagnol et la chancelière allemande. Mais d'une certaine manière, l'histoire ici est figée dans l'instant, alors que dans le monde qui est en train de passer, dans l'histoire qui est en train de passer, les informations arrivent les unes derrière les autres. Et donc, sur le site de Paris Match, en fait, c'est là où se construit maintenant l'histoire. Donc, c'est le déroulé de toutes les informations qui arrivent, les petites et les grandes, le factuel, la seconde boîte noire retrouvée, le demi-frère de Schumacher qui évite la mort, le commandant de bord qui nous raconte ce qui se passe dans le cockpit. Les informations exclusives qui arrivent au compte-gouttes. La dernière qu'on a publiée, c'était le dernier scoop qu'on a eu, c'était que Andreas Lubitz mentait à ses médecins. Il leur parlait de ses problèmes de santé, mais il ne leur disait pas qu'il le volait. Là, c'est notre reporter qui explique que nous avons donc trouvé une vidéo dans les débris qui nous étaient communiqués par un des sauveteurs. On ne voit pas cette vidéo, on la raconte, c'est-à-dire qu'on raconte qu'elle décrit les derniers instants d'horreur qu'ont vécu les passagers. Le PDG Lufthansa, les spéculations. Les images qu'on a récupérées, la vidéo
du pilote se filmant quand il faisait du vol à voile. Et on revient au début avec Laetitia et Felipe VI unis dans le deuil. Pourquoi les gens viennent sur le site de Paris Match ? Parce que lorsqu'il y a une grande histoire comme ça, quand il y a un événement sidérant comme c'est ce qui est arrivé à Charlie, ce qui est arrivé à l'A320, la promesse d'histoire, la promesse de photo, elle est apportée par Paris Match, par les photographes qui vont être sur le terrain, par les enquêteurs qui vont être sur le terrain, par ceux qui vont nous aider. Là, en l'occurrence, nous travaillons avec Bild, le grand quotidien populaire allemand. Sur Charlie, tous nos journalistes présents, tous les photographes qui avaient l'habitude de travailler avec nous étaient sur le terrain. On était probablement le média qui avait le plus de journalistes présents sur le terrain au moment de début janvier. Donc, qui dit récit dit histoire dit scoop. Et donc, le scoop, c'était la vidéo et avec la retranscription de ce qui s'est passé exactement. De façon à permettre au lecteur de s'identifier et de comprendre ce qui s'est passé. Le mot-clé, à chaque fois, c'est l'émotion. Paris Match n'est pas dans l'analyse, n'est pas dans la synthèse, n'est pas dans la réflexion, même si nous ne nous interdisons pas la distance par rapport à ce que nous racontons, nous sommes dans l'émotion. Pour terminer, je voudrais vous présenter le travail qu'a fait un journaliste de Paris Match qui est grand reporter. Il s'appelle Alfred de Montesquieu, il est prix Albert Londres. Il a travaillé chez la Société de Presse avant de nous rejoindre. Il a la particularité au sein de Paris Match d'être nativement journaliste multimédia. Il fait donc de la vidéo, de la photo, il écrit. Et il a cette faculté que nous recherchons de plus en plus chez les journalistes à Paris Match, c'est de pouvoir être présent à la fois sur le papier, sur le numérique, et de jouer les différents temps entre l'immédiateté, le flux du numérique et les moments fixes, les rendez-vous, les grands rendez-vous que sont ceux du papier. Alors je suis parti d'une présentation qu'il avait faite, que j'ai adaptée. Donc si jamais il y a des erreurs, des imprécisions, elles relèvent de mon fait et non du sien. Voilà, nous sommes en février 2015 en Syrie. Il est parti à la rencontre des chrétiens qui se battent aux côtés des Kurdes contre les forces de Daesh. Il a essayé de nous expliquer la manière dont il travaillait donc en trois points: choisir son format, déterminer un rythme de production et comment réaliser sa production multimédia. Un reportage tel qu'on l'accomplit dans une situation aussi difficile que la Syrie tient toujours aux hommes, aux personnes qu'on rencontre. Et son travail à lui, donc ça va être à chaque fois de se dire comment est-ce que pour chaque personne que j'ai rencontrée, comment est-ce que je vais construire mon histoire pour le journal, comment est-ce que je vais exploiter les parties d'histoire qui ne rentreront pas dans le journal et quels sont les supports sur lesquels je pourrais le mieux adapter. Les photos sont tellement fortes qu'il ne faut pas chercher à lutter. Marc Sich est un ancien rédacteur en chef photo. C'est un peu un leitmotiv qu'on garde en tête à chaque fois que la production photo de nos reporters arrive à la rédaction du journal. Alors ici, donc dans le dans le
dans le format, dans l'édition papier, on a cette ouverture que vous avez vue en ouverture, quatre photos qui représentent quatre instants. Les femmes au combat. La prière dans les décombres d'une mosquée soufie. Ah, pour montrer que... Excusez-moi, petit souci. Montrer que les choses ne sont pas aussi simples et manichéennes que les chrétiens contre les musulmans, mais qu'il y a aussi une guerre au sein du monde islamique. Un symbole de ce qu'est la lutte de ces combattants. La deuxième partie, c'est notre diaporama qui a été fait pour le blog photo de Paris Match. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on éditorialise un reportage Paris Match, on va se retrouver parfois avec 20-30 photos absolument formidables. Et on aura la place de mettre 3, 4, 5 photos maximum. Donc, l'angle sera toujours de choisir les photos qui seront à la fois les plus pertinentes, les plus fortes. Et on va se retrouver avec 15 photos qui, normalement, vont se retrouver dans les archives. Avec le numérique, avec cette gestion du flux, on va se retrouver, en fait, avec la possibilité d'offrir toute la richesse de la production de Paris Match à nos lecteurs. Alors l'avantage, c'est l'exhaustivité. L'inconvénient, c'est parfois la redondance. C'est-à-dire au lieu de proposer un séquençage photo qui raconte une histoire, on va avoir un empilement d'images au lieu d'avoir un récit construit. Mais ce que demandent aussi les gens sur le web, c'est d'être assaillis de ces images. On comprend pourquoi, d'ailleurs, les gens passent aussi peu de temps sur les pages, puisque ce qu'ils veulent, c'est en avoir plus, pas rester sur les images comme on reste sur les images dans le papier, mais en avoir plus sur le papier. Donc là, c'est des exemples de photos qui sont passées sur le site internet de Paris Match, dans le blog photo du service photo. Le texte, donc, c'est, comme je disais, le récit qui s'incarne dans des personnes. Notre reporter a eu l'occasion aussi de rencontrer la députée qui représente les Yézidis au Parlement. Intégrer son histoire dans l'histoire des combattants qu'il avait rencontrés aurait été complètement artificiel. Donc il était beaucoup plus simple de proposer un nouvel éclairage et de l'intégrer donc dans un article web en rapport, en complément de ce qui est proposé dans le print. De la vidéo tournée par notre journaliste. Alors j'espère que je vais arriver à vous la jouer. Bon, apparemment il y a un petit souci. Mais donc notre reporter avait tourné deux vidéos avec les photos qu'il avait prises. En plus du web et du print. Ce qu'il faut faire aussi quand on est sur le terrain, c'est aussi pouvoir communiquer à travers les réseaux sociaux, donc les tweets, donc différents types de tweets, des tweets de teasing, des tweets d'information, retweeter des tweets qui paraissent pertinents, et bien sûr des tweets de promo pour dire ce qu'on a fait. Facebook, Instagram, donc là c'était un représentant des forces kurdes à Mossoul qui s'est retrouvé sur Instagram. Le rythme de production,
c'est important pour un grand reporter dans une zone comme la Syrie, qui est une zone extrêmement dangereuse, où même les zones qui ne sont pas occupées par Daesh sont des zones où sont leurs espions, leurs alliés. Et donc, le rythme de production, et surtout sur les réseaux sociaux, va prendre en compte les notions de sécurisation. Donc, ça veut dire savoir couper son portable au bon moment. Quand on tweet des informations, éviter de tweeter les lieux où on est, ou alors les tweeter avec un décalage de 24 heures. Penser que les autres journalistes qui sont sur le terrain sont aussi à l'affût de vos tweets. Il y a un exemple fameux en Libye pendant la guerre contre Kadhafi, où un journaliste américain a eu la malencontreuse idée de tweeter « La route pour Benghazi est libre », ce qui fait qu'au lieu d'être le premier sur l'histoire, le premier sur le scoop, il a vu tous ses confrères qui écoutaient ses tweets se précipiter dans la même direction que lui et s'est retrouvé dans la masse des journalistes arrivés à Benghazi. Et évidemment, et bien sûr, c'est le savoir jouer de la temporalité, c'est-à-dire savoir teaser sur un sujet et en même temps ne pas tout dévoiler de façon que les lecteurs se disent « c'est plus la peine que j'achète le journal ou que j'aille sur le site web de Paris Match, j'ai tout lu ailleurs ». Enfin, bien anglais sa production multimédia. Donc là, on rentre un peu dans les arcanes de la production. C'est quand on est sur le terrain, on a bien sûr une vision qui est limitée et étroite de ce qui se passe, de ce qui est produit par le journal. Et donc, il est important d'être dans un dialogue permanent pour pouvoir construire son histoire avec un rédacteur en chef qui sait exactement comment s'enchaînent les publications print et numériques. Et enfin, conseil bien sûr assez basique. Quand on écrit à la fois pour le print, le numérique, faire attention à ne pas se contredire. Et bien sûr, essayer de travailler en collaboration avec les gens qui s'occupent de la photo, ceux qui s'occupent de la vidéo et le rédacteur en chef du web. Ça paraît évident, mais en fait, ce n'est pas si simple que ça à Paris Match, parce que Paris Match, à travers sa tradition d'histoire, aussi une tradition de secrets, de gens qui creusent chacun leur sillon. Paris Match, c'est un journal de gens solitaires qui chassent en meute, mais qui ont souvent tendance à vouloir tirer la couverture à eux. Et là, ce que montre le storytelling à l'heure du numérique et du multifréquence, c'est que ce temps est passé. La chasse aux scoops, l'individualité, l'individualisme des journalistes, c'est une très bonne chose, mais malheureusement on ne peut plus fonctionner comme à l'époque du print. Le multifréquence du storytelling oblige aussi à un changement aussi dans les méthodes de travail et dans la collaboration entre les différents membres de la rédaction de Paris Match. Alors pour conclure, excusez-moi d'avoir été un peu long, pour conclure je dirais que la force de Paris Match, c'est de proposer des histoires que les autres ne proposent pas. Le défi de Paris Match, c'est d'arriver à passer de manière fluide à enchaîner de manière fluide sur tous les sujets la production hebdomadaire du papier avec celle du flux informatif du web et des réseaux sociaux, d'arriver à faire que le périssable du web et le durable du papier s'enchaînent et se complètent les uns les autres, de manière à ce que ce qui était sur le web devienne moins périssable et devienne le complément indispensable du print, du papier, qui reste toujours la valeur première de Paris Match. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions?
après cette intervention, on voit, il me semble, que le numérique transforme complètement le mode de relation au lecteur, finalement. Vous parliez du flux des images. Peut-être on aurait une mise en récit plus ténue, là où le papier prenait le temps de construire une histoire ou un scoop et d'accrocher son lecteur. Chaque façon de travailler, en fait, a ses avantages et ses limites. Le papier va creuser en profondeur. Le numérique va permettre, je dirais, de construire une histoire sans fin. C'est-à-dire qu'il va y avoir toujours une nouvelle information, un nouveau rebondissement que le papier n'a pas pu prendre en compte. Vous avez pu remarquer que même si l'affaire du moment, c'est l'Airbus A320, ni la semaine dernière, ni cette semaine, nous n'avons fait notre couverture dessus. Cette semaine, vous avez juste en médaillon la photo du copilote. L'histoire de la vidéo, nous en parlons sur le site, nous n'en parlons pas dans le papier. Parce que le numérique, là, pour l'instant, est en plein dans l'histoire principale, alors que le papier, pour l'instant, sert juste de relais. Alors, le papier va probablement rebondir à un moment, c'est-à-dire que nous allons avoir les histoires complètes, non seulement du pilote, mais aussi de ceux qui ont entouré des passagers. Mais il est certain que ce qu'on attend comme conclusion finale, c'est la construction en profondeur du récit que donnera le papier, qui servira de conclusion à toutes les informations, tout le flux d'informations, de vidéos, de tweets que le numérique a proposé. Ça veut dire aussi que le lecteur du print, il vient à Paris Match en général parce qu'il a vu la couverture, parce qu'il est attiré par la couverture. Il vient sur le site de Paris Match sur notre nom, mais aussi parce qu'il a vu que Paris Match proposait des informations que les autres ne proposaient pas. Et les flux de communication seront beaucoup plus diffus pour arriver sur le site internet de Paris Match. Nous ne proposons pas le même volume de données que des sites comme le Figaro ou le Monde. Donc les gens ne viennent pas chez nous parce qu'ils savent qu'ils auront toutes les informations sur le dernier remaniement ministériel au Kyrgyzstan. Ils viennent chez nous parce que sur un grand événement, ils savent que c'est là où il y aura l'information, c'est là où il y aura les photos, c'est là où il y aura les histoires. D'accord, merci. Oui. Merci la question. D'après ce que vous venez de dire et dans votre réponse et dans votre intervention, je me demande si ça ne relativise pas à la fin le pouvoir du storytelling dont on parle ou dont Samon parle notamment, parce que le numérique, ça a l'air de prouver ou cette complémentarité entre le numérique et le print dont vous parlez, semble justement dire que le story n'est plus le plus fort, parce qu'on veut consommer des images et que ça complémente ou ça dépasse même le pouvoir du storytelling, parce que si on passe 8 secondes sur une page et on lit 15 mots ou tout au plus sur une page internet et qu'on consomme de plus en plus d'informations sur internet, ça veut aussi dire qu'on n'a plus le temps pour des histoires, même des récits tout courts et tout simples, et on consomme de plus en plus de je ne sais pas comment appeler cela, même pas de micro-récits en fait, mais des informations encore plus fragmentées, et que à la fin, on reconstruit pas forcément une histoire, on s'intéresse pas forcément tellement dans le moment à l'histoire, mais on veut les émotions. C'est peut-être pour ça aussi que les gens viennent aussi sur Paris Match, c'est qu'ils savent qu'à travers la photo, nous racontons des histoires. C'est pour ça que le texte garde toujours sa valeur prégnante dans le papier, mais effectivement, il faut toujours relativiser la puissance du texte dans le numérique. Les gens sont venus, viennent sur Paris Match, sont venus par exemple au moment de Charlie, parce que on leur proposait toutes les photos des événements, parce que nous avions les photographes au premier chef qui étaient présents sur place.
le texte, le micro-trottoir, c'était relativement fondamental. Et en même temps, certaines histoires dépassent le stade des 8 secondes. On a été le premier à parler avec Jeannette Bougrab, qui racontait donc qu'elle avait une liaison avec Charb au moment où il a été tué. Et là, il y a, après, je crois, je voudrais pas dire de bêtises, il y a eu à peu près 300 000 à 400 000 personnes qui sont venues lire cette histoire. Alors, je ne sais pas combien de temps elles ont passé. Elles ont certainement passé moins de temps qu'elles l'auraient passé sur le papier, mais elles sont venues aussi pour une histoire et pas simplement pour un fragment de texte. Alors, comparativement à ces 300 000 ou 400 000 visites sur cette histoire de Jeannette Bougrab et de Charb, il faut savoir qu'en moyenne, sur un site d'information, comme par exemple Le Monde, si vous publiez une tribune dans Le Monde, elle sera lue en moyenne par 2000 à 3000 personnes. Merci beaucoup. On va entendre Alexandre Geffen, qui est chargé de recherche au CNRS, spécialiste des humanités numériques et également du récit biographique. Il publie d'ailleurs un livre qui sera en librairie d'ici une quinzaine de jours, « Inventer une vie, la fabrique littéraire de l'individu » avec une préface de Pierre Michon. Et tu vas nous parler d'invention de soi et de réseaux sociaux. Merci Estelle. Est-ce que ce micro marche ? Oui, voilà. Oui, je vais vous parler, je vais vous faire un PowerPoint parce qu'il me semblait un peu impératif, si vous voulez, quand on parlait de narration numérique, de voir au passage un des instruments du storytelling numérique, à savoir cette merveilleuse chose qui s'appelle PowerPoint. On va essayer de réfléchir sur cette question-là parce qu'elle me semblait centrale à beaucoup de préoccupations qui sont d'ailleurs pas seulement littéraires, hein, mais qui touchent aussi à la sociologie, à la psychologie. Dans un séminaire précédent, une collègue psychiatre et psychanalyste était venue nous expliquer à quel point maintenant la plupart des cas ou des questionnements, des crises existentielles qu'elle pouvait rencontrer, jalousie amoureuse ou dépression, avaient une articulation ou une prise dans les réseaux sociaux. Donc il s'agit vraiment de phénomènes massifs qui correspondent finalement à un massif de notre vie relationnelle, de nos liens forts ou de nos liens faibles dans l'espace du numérique. Alors c'est un phénomène qui a déjà maintenant une dizaine d'années, hein, qui touche finalement toutes les sphères, si vous voulez, d'intervention, hein, de la psyché, toutes les formes d'action virtuelle, toutes nos formes d'expression de nous-mêmes, mais aussi de rapport aux autres. Elle est accentuée par ce qu'on appelle le web deuxième génération, hein, qui est un web fortement interactif, où le soi est convié en permanence à s'écrire et pas seulement être consommateur finalement de l'existence des autres. Pour vous donner une idée de la généralisation massive de ces technologies-là, je récupère un petit schéma. Sur la génération Y, les réseaux sociaux touchent 83% d'une génération. La génération Y, donc sur les gens des années 80, et les chiffres sont à peine plus faibles pour la génération antérieure. On est dans les 60 à 70%. Alors vous allez me dire pourquoi penser par les réseaux sociaux et par ces dispositifs finalement la question de construction de soi qui, comme vous le savez pour avoir lu les historiens de l'identité, les historiens des formes autobiographiques, hein, comme le jeune, possèdent une très longue histoire et une très forte tradition dans la culture occidentale, hein, depuis Saint-Augustin. Pourquoi passer par cette médiation que seraient ces réseaux sociaux? Est-ce que cette construction de soi ne possède pas sa propre autonomie finalement? C'est extrêmement discutable, à la fois pour des arguments pratiques, hein, la grande sociologue de l'adolescence américaine Dana Boyd,
hein, montre à quel point, que je citerai tout à l'heure, hein, montre à quel point pour les adolescents contemporains, cette dimension de socialisation numérique est devenue centrale, hein, elle le démontre, et plus généralement, nous savons à quel point nous avons recours à ce qu'on peut appeler généralement des technologies de l'identité, de l'identité personnelle. Ce sont des réflexions qui sont déjà anciennes, qui datent au moins de l'analyse foucauldienne, hein, des dispositifs de l'identité, hein, et l'idée que le pouvoir produisait, si vous voulez, des formes de connaissance de l'individu, hein, dont on ne saurait s'exempter. Et le grand sociologue Jean-Claude Kaufmann, hein, faisait remarquer avec beaucoup de vigueur, hein, dans un essai récent, à quel point s'inventer soi-même ne s'invente pas, et à quel point les mécanismes de création identitaire, hein, entraient dans des procédures sociales. Or, ces procédures sociales sont maintenant massivement numériques. Alors, cette bascule, et Daniel l'évoquait déjà tout à l'heure en introduction, a conduit à deux formes de réaction. Hein, je crois que je vais les évoquer rapidement en introduction parce qu'elles sont essentielles pour comprendre qu'il s'agit d'un débat qu'il faut déminer, hein, et qu'il faut regarder un peu de près. On a l'opposition de deux discours, hein, un discours qui serait un discours techno-idéaliste qui verrait la construction de soi sur les réseaux sociaux comme un dispositif d'émancipation, et un discours qui serait techno-pessimiste qui verrait les outils contemporains numériques de construction de soi comme des manières d'aliéner ou d'en régimenter l'individu dans ce moment. Et Dana Boyd, hein, évoque, hein, la manière dont on a pu comme ça opposer, hein, sur la construction de sujet dans l'adolescent, dans ce moment réputé essentiel de la construction de sujet avec l'adolescence, comment on a pu avoir des discours qui sont à la fois des discours cyber-utopiques ou techno-utopiques et cyber-dystopiques, hein, qui insistent d'un côté sur la désintégration ou l'émiettement, on va voir tous ces discours-là, mais qui opposent à une vision un peu irénique de l'émancipation par l'expression de soi dans le réseau social, des discours où la dimension technique et l'importance, hein, de la technostructure va devenir déterminante et aliénante. Alors, le cyberidéalisme, quelques exemples, hein, et je reviendrai là-dessus, j'ai emprunté à quelques travaux récents, hein, sur l'usage des réseaux sociaux, quelques citations, si vous voulez. Anne Coquelin affirme que la vitesse est du côté du sujet, hein, c'est une théorie que Yves Citon, que je citerai tout à l'heure, nomme l'accélérationnisme, disant que le sujet, la vitesse d'émancipation du sujet par les réseaux sociaux permet, hein, de prendre de court les structures qui vont figer, arrêter le sujet, le rendre unidimensionnel, vouloir en proposer des théologies. Pour Magali Nachtagael, dont les travaux sont tout à fait intéressants sur la mythographie de construction de soi, le web 2.0 permet justement une forme de réexpression, de renversement des rapports d'autorité, hein, permet d'inverser les rapports d'autorité, et à un niveau encore plus large, hein, puisque là on est vraiment au niveau du fonctionnement de la société démocratique elle-même, on en parlera tout à l'heure avec Marie-Jeanne, le projet de Pierre Rosanvallon avec Raconter la vie, hein, et de création d'un lien, hein, qui va non seulement structurer l'individu, mais va structurer les rapports inter-individuels. Hein, et finalement, le storytelling numérique aura un effet à la fois de changement personnel, mais aussi de transformation sociale pour le suivre. Au contraire, si vous voulez, Daniel rappelait assez rapidement quelques arguments des techno-sceptiques. Le premier élément est un élément d'aliénation, hein, d'aliénation machinique. Le grand fantôme, le grand ennemi, c'est ce qu'on a pu appeler la gouvernance algorithmique, que des gens comme Eric Sadin, hein, dénoncent avec vigueur.
On a l'idée d'un hold-up sur l'imaginaire, d'une extériorité machinique qui interviendrait sur nous-mêmes, et au fond, la construction par une matérialité numérique ne serait pas maîtrisée. Alors, autre argument qui a été opposé, avec beaucoup, beaucoup de virulence, c'est celui d'un éclatement des récits. Hein, autrement dit, là, la grande mise en question, si vous voulez, ça serait moins la manière dont les machines nous aliéneraient que dont les machines ne nous permettraient pas finalement de nous stabiliser. Hein. Louise Merzeau souligne comment on est réduit, on serait réduit à des indices infinitésimaux et volontaires. Christian Salmon lui-même oppose au véritable récit un simple échange d'anecdotes, hein, une déflation du récit un simple échange d'anecdotes. Pierre Mounier souligne la manière dont la déstructuration dans un ensemble de données, la conversion numérique, la dataification, pour employer le terme technique, déconstruit des récits et déconstruit l'opération traditionnelle de la rhétorique. Et de manière assez intéressante, ce discours-là renvoie à un discours qui était déjà à l'orée de l'émergence d'Internet, qui est celui de Susan Sontag, qui soulignait que l'idéologie de l'hypertexte était démocratique, c'est bien le cas dans Google, mais qu'elle renvoyait à une débauche, à un surplus informationnel, et que à l'opposé, la littérature aurait comme vertu de fabriquer des récits possédant une fin, le roman était un monde avec des frontières, « World with Borders », au contrairement au monde de flux, au monde de pullulement informationnel, qui caractériserait le monde de l'hypertexte, le monde du numérique, qui serait par définition partiel, incomplète et fragmentaire. Vous voyez, c'est d'ailleurs assez étonnant, si vous voulez, de voir que ce ne sont pas des arguments soulignant le caractère malléable, ouvert du récit moderne. Vous savez que l'ouverture du récit est ce qui définit pour des gens comme Umberto Eco la modernité du roman, mais que c'est au contraire la puissance thétique, la puissance à fabriquer des récits, à fabriquer des propositions, des postures, des analyses, postures étaient chez Merzeau, des récits, des vrais récits, comme dirait Salmon, des récits à contenu fort, des récits qui viendraient opérer une prédication, dire l'individu c'est ceci transforme l'individu en destin, mais que ça serait cette perte, cette dislocation dans Internet qui serait en cause. Donc vous voyez, moi ça m'a beaucoup beaucoup étonné de voir que le paradoxe c'était que c'était non le storytelling finalement qu'on reprochait au monde numérique, mais l'absence d'un vrai storytelling. Et je trouve que il existe une forte contradiction entre la manière de regretter à la fois une prise de contrôle et l'absence de grand récit. Regretter à la fois l'ouverture et l'absence de sens. On ne peut pas sans doute jouer des deux côtés. Maintenant, s'il y avait quand même un point commun critique, ça serait peut-être une sorte de peur de la déprise, de la non-maîtrise. J'emprunte à David Berry dans un article à paraître de la revue, d'un dossier de la revue Multitude consacré aux humanités numériques que Yves Citon a eu la gentillesse de me prêter avant sa publication, le terme de subjectivité computationnelle. C'est l'idée que la subjectivité soit computationnelle, qu'elle soit donc fabriquée par des algorithmes, mais que ces algorithmes soient externes, au fond, qui fait peur. Des entités donc externalisées et non maîtrisées, qu'on en regrette la ténuité ou au contraire la surmodélisation par des cadres de storytelling. Alors, l'idée qui ressort, je crois, enfin en tout cas la proposition méthodologique par rapport à cette confrontation très idéologisée de discours, parce que derrière c'est forcément
le néolibéralisme et ces techniques de contrôle de l'individu qui sont en cause, hein, ou chez les Foucauldiens français, hein, c'est l'État qui est en question. Chez quelqu'un comme Éric Sadin, par exemple, c'est l'État qui est en question. Mais c'est forcément des dispositifs du pouvoir qui appartiennent à la sphère étatique ou à la sphère économique, des dispositifs de contrôle. Bon. Pour sortir de ces affrontements idéologiques, hein, il me semble qu'il faut regarder peut-être plus précisément les dispositifs eux-mêmes. Et je regrette, hein, que la plupart de ces travaux ne vont pas regarder précisément les dispositifs eux-mêmes. Et je crois que, tout à fait dans la lignée, hein, de ce que disait Daniel Perrot, je crois qu'on peut à la fois constater comment ces dispositifs sont a priori encadrants, mécanisés et fortement stéréotypés, hein, assurément, mais à quel point ils sont aussi faciles à détourner et qu'ils n'exercent qu'à la marge cette gouvernance de soi, hein, numérique qu'on leur attribue. Hein, et c'est la thèse que je défendrai, au fond, qui est une thèse qui acquiescerait à l'idée qu'il y ait une bascule numérique dans des dispositifs externes que sont les réseaux sociaux de la construction de soi, mais qui soulignerait à quel point il existe une continuité. Hein, finalement, on ne fait que rentrer dans des modèles prédisposés de construction de soi plutôt que d'autres, hein, et que de ce point de vue-là, il n'y a pas lieu d'avoir un affolement, si vous voulez, de dénoncer cette subjectivité computationnelle comme forcément une réduction, hein, de notre liberté d'agir et notre liberté de nous construire par nous-mêmes. Hein, cette idéologie d'ailleurs de la construction de soi par soi-même, de l'affirmation de soi par soi-même, étant elle-même, hein, l'objet, vous savez, de beaucoup de réflexions. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir longuement, mais même l'idée que le modèle comparatif par rapport auquel on doit opposer le storytelling serait une sorte d'autonomie de la construction de l'individu, et une des thèses même, hein, de ce néolibéralisme, de ces formes de contrôle de l'individu, si on en croit des gens comme Eva Illouz, hein, puisque au fond le tournant numérique m'a créé une sorte de délégation, hein, de pression qui conduirait les gens à fabriquer eux-mêmes leur forme d'autocontrôle dans leur construction d'identité. Alors, on va passer donc, je vous l'ai promis, dans des analyses concrètes, et on va voir Facebook. Alors, vous connaissez Facebook, on va essayer un peu de regarder un peu près, si vous voulez, ces segmentations, hein, de la vie individuelle, des goûts individuels, de l'identité. Quel conditionnement, quel cadre, quelle forme d'expression canalisée de l'individu produisent-ils ? Le Facebook étant ici le cas exemplaire d'un outil généraliste, hein, largement centré sur l'identité personnelle, hein, inventé par Mark Zuckerberg d'abord pour les post-adolescents de la faculté d'Harvard. Il est devenu un outil où nos existences vont se raconter. Alors, comment ça se passe, comment ça se produit et sous quel régime? Je vous l'ai dit, ce régime est d'abord celui de l'affirmation de la singularité. Hein, sur la singularité, je me suis amusé à mettre en regard, hein, une citation de Be Yourself de François Flahault, hein, et quelques photos, hein, prises qui vous montrent comment dès ce livre des regards qui définit Facebook, vous avez des formes de singularisation à minima. Hein. Et je crois que cette singularisation à minima marque, hein, cette pensée de Facebook de l'individu. Alors, maintenant, ce n'est pas parce que vous avez singularisation à minima que vous n'avez pas, d'après les théories du storytelling, hein, ce qu'on appelle des expériences tracées, hein, des simulations scriptées, des conduites de vie scriptées, hein, bien sûr, mais il faut regarder précisément les économies qui sont les leurs, les marges de liberté qu'elles proposent. Alors, on est dans des économies de la désignation, de l'exposition, de la narration de sa vie,
hein, d'ailleurs plus largement que dans des simples des technologies de la construction de l'aide, dans des technologies qui vont décliner l'action et l'être numérique. On va les voir, mais je voulais peut-être avant quand même de rentrer dans les dates Facebook, rappeler qu'il existe d'autres outils plus spécialisés qui vont activer, qui vont s'intéresser à d'autres dimensions de l'individu, et qu'il existe pour ce qui est du récit de vie, on parlera tout à l'heure de raconter la vie, mais qu'il existe des outils spécifiquement pensés pour la construction biographique, et notamment un outil dont je vais juste vous montrer 3-4 copies d'écran, parce qu'il est très intéressant, et qu'au fond, il est le scriptage absolu de l'écriture biographique, c'est pas le Biobull. Biobull est un outil où les gens, c'est un projet commercial, où les gens vont en fait raconter leur vie en ligne, recourant éventuellement à des services de biographes qui se font payer, 200 euros en général, pour raconter leur vie. Et ce qui est très intéressant, c'est cette normativité, de Biobull, par exemple, voyez, alors, je ne sais pas si on lit très bien, mais Biobull vous invite à dire votre premier boulot, votre premier stage, votre enfance. On a une classification, finalement, des événements, qui est déjà une forme de normativité. De même, les différents éléments, les éléments biographiques, les éléments d'anecdotes, les éléments d'impression, etc., sont organisés dans des cadres, ce qui fait que vous avez ce type de scriptage parfaitement précisé. Alors, ce type de storytelling, je n'ai pas le temps d'en parler, vous le retrouverez dans les storytelling d'entreprise. Je me suis amusé, si vous voulez, à prendre comme ça des injonctions ou des programmes de formation d'entreprise. Vous le retrouverez, ce scriptage, dans des sites spécialisés, pour les entités spécialisées. Là, je me suis amusé à mettre Academia, un site que beaucoup d'entre vous connaissent tous. Mais ce que je n'ai pas pu vous montrer, c'est le Add New Section. Add New Section, là aussi, c'est scripté. C'est-à-dire que rajouter un élément de votre CV ne se fait pas de manière libre. C'est nouveau poste, nouvelle conférence, vous ne pouvez pas raconter que vous avez perdu votre dernière dent de lait, si vous voulez. Vous avez une manière de scripter votre devenir professionnel, comme dans ces entreprises, comme dans Biobull. Vous trouverez les mêmes phénomènes dans LinkedIn, qui est aussi un réseau professionnel, vous avez une sorte de guidage, une manière de tracer l'expérience, pour reprendre encore cette expression d'expérience tracée, que Salmon commente à partir des théories du storytelling en matière de management. Et là aussi, vous avez des outils qui vous permettent de mettre en scène vos capacités, vos compétences relationnelles, mais là aussi selon des normes d'interaction maîtrisées. Alors, ce storytelling, il est parfaitement actif sur Facebook, on en arrive un peu au fait, il est parfaitement présent sur Facebook, puisqu'il est maintenant beaucoup utilisé par les entreprises qui, par exemple, racontent leur propre histoire en montrant comment elles sont fondées, par exemple, en 1995, avec une petite anecdote, vous voyez, typiquement, le story d'entreprise, la fondation d'eBay, la petite anecdote signifiante. Alors, je le disais, les grands dominantes de ce storytelling, c'était l'idée qu'il fallait affirmer son identité, et cette idée-là s'ancre profondément dans la culture moderne, où vous ne pouvez exister qu'en dehors d'un cadre normatif, dans une singularisation de soi, et dans son travail sur les mythographies numérique, Nathalie Nachtigal souligne bien à quel point les constructions de soi numériques des réseaux sociaux trouvent leur source dans toute une série de dispositifs visuels de démocratisation de l'image de soi au XXe siècle, le recours à la photographie notamment, les masses médias qui vont mettre en scène, on l'a vu tout à l'heure avec Benoît Leprince, non seulement des tragédies collectives, mais aussi des vies individuelles. Et que donc, si vous voulez, cette construction de soi par les réseaux sociaux ne faisait que finalement être une nouvelle étape d'un discours d'émancipation, d'autonomisation, qu'on le voit en bonne part comme une forme de libération des liens hiérarchiques
ou en mauvaise part comme des formes d'autocontrôle qui seraient une ultime formulation de la démocratie dans sa forme ultralibérale. L'autre élément fondamental, et on l'a aussi évoqué ce matin, hein, c'est cette idée qui a été banalisée, vulgarité finalement, de construction narrative. On ne peut exister que par des récits, hein, finalement. On ne peut exister que si notre temporalité est articulée sur un mode narratif, nous dit Paul Ricoeur, que si nos vies peuvent être montrer, peut-être raconter, hein, nous dit Rosan Vallon, hein, une vie qui ne serait pas racontée serait une vie qui serait diminuée, niée explicitement, qui serait méprisée. Hein, le secret serait une absence de vie, le silence serait une absence de vie. Et je vous ai mis en regard un exemple de fil événementiel de Facebook qui retrace, hein, ces formes d'activité qui vont en permanence activer cette narration de soi et cette prise de conscience rétrospective et cette réorganisation rétrospective qui est propre au storytelling. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que j'ai consacré au moins 2-3 articles à cette question des querelles autour des thèses de Ricoeur, notamment avec la manière dont des gens comme Galen Sossom se sont opposés au nom d'un anti-narrativisme à l'idée que notre action et notre identité morale ne pouvaient être fondées que sur une identité narrative. Je travaille beaucoup maintenant à partir justement des travaux d'Eva Illouz, qui est sur un autre plan, qui n'est pas un plan philosophique, mais qui est un plan plus psychologique, essaye de montrer comment dans les discours d'aide de soi-même, de self-help, le background psychanalytique de l'idée qu'on peut avoir conscience de soi-même, c'est que par soi-même que quand on a fait le point sur ses souvenirs et qu'on les a réorganisés, est extrêmement présent. Hein, Eva Illouz le critique fortement, hein, montre que c'est en fait une technologie de contrôle, hein, que cet appel à la renarration des souvenirs, que ce n'est qu'une forme de technologie de contrôle, et elle l'examine à partir de tous les manuels de développement personnel, hein, qui sont une vulgate de la psychanalyse, et la psychanalyse elle-même a été sévèrement jugée justement comme manière de rescripter finalement à partir de schémas typodipiens le développement de l'individu. Alors, ce scriptage, cette narrativisation, quand on vient sur Facebook, par quoi elle commence? Elle commence par le fait, simplement, que votre identité est votre identité, puisque Facebook a mis en place des phénomènes de contrôle des noms, hein, extrêmement serrés, qui sont en train d'être desserrés maintenant, à savoir que Facebook vous oblige, si vous voulez, à avoir un nom qui serait votre nom d'identité réelle et laisse moins de possibilités de fabriquer une identité fictive. Alors, là aussi, on verra qu'on en joue, hein, mais c'est un élément de cette prise de contrôle. Vous avez un cadre de nomination, hein, qui n'est pas celui d'État civil français, hein, mais qui est celui d'une société basée en Californie. Ensuite, l'organisation est forcément linéaire, hein. C'est bien un fil de vie, c'est bien une manière de scripter votre vie, hein, à partir de votre naissance, à partir de ces dates. Et Facebook vous invite en permanence à rajouter des événements, on verra comment ça fonctionne, hein, mais donc à organiser quelque chose qui a une représentation qui est directement graphiquement chronologique, hein, qui est graphiquement chronologique et qui est capable d'inférer d'ailleurs des interactions ou des simultanéités, puisque vous pouvez voir des gens qui ont été dans tel endroit ou tel endroit. Donc finalement, c'est votre histoire individuelle qui est réorganisée par ce fil chronologique, par ce qu'on appelle la timeline, hein, la ligne de temps, hein, qui, au fond, d'ailleurs, de plus en plus, pour nous, hein, produit une sorte de mémoire et d'archives personnelles. De manière très frappante, en fin d'année dernière, Facebook a envoyé un message proposant aux gens de voir leur année résumée sur Facebook. Et il faut en convenir, une partie de nos identités, si vous voulez, sont maintenant déposées, hein, sont maintenant archivées sous une forme de journal intime ou de journal extime, si vous préférez ce concept-là, sur ce réseau social. Et ça s'étend même après la mort, puisque non seulement vous déposez votre archive, mais ensuite, quand quelqu'un est mort, vous pouvez, hein, signaler le statut comme étant celui d'un tombeau, hein, puis vous avez un processus de demande de commémoration, hein, qui conduit à la production de cimetières,
hein, où nos mémoires d'identité personnelle sont comme ça fossilisées. Je ne sais pas si vous voyez bien, au-dessus de cette personne, vous avez « commemorating hein. ». En commémoration d'eux, c'est quelqu'un qui est mort. Et vous pouvez encore poster à titre commémoratoire sur son mur. Et Facebook est en train de mettre en place un système de transmission qui vous permet de définir votre legacy contact, la personne qui va hériter de votre mémoire numérique, de votre identité numérique, après votre mort, en limitant les types d'opérations. Vous pouvez même limiter le type d'opération qu'elle pourra faire sur votre vie. Vous pouvez l'autoriser ou non à réorganiser, à acheter des choses sur votre existence. C'est un peu la manière dont on délègue finalement une mémoire à ses héritiers. Alors, c'est tout à fait fascinant, hein, et Facebook deviendra, est en train de devenir le plus grand cimetière mondial, une sorte d'encyclopédie des morts, qui m'a beaucoup fait penser à un texte, c'est peut-être, d'un auteur que j'aime beaucoup, Danilo Kish, auteur yougoslave, qui avait justement imaginé, comme ça, quelques années finalement, avant l'invention du web, ce que serait une archive universelle des morts, une archive universelle de nos identités en ligne, qui serait une bibliothèque borgésienne infinie, où il y aurait l'ensemble des éléments de chaque épisode de la vie de quelqu'un. Et ce que la biographie, ce que les dictionnaires biographiques ont pu produire, ce que l'ensemble des autobiographies, des journaux intimes ont produit, cette encyclopédie, ce rêve d'une encyclopédie totale des autres, eh bien, il va maintenant basculer hein, dans ces traces numériques qui sont enregistrés sur Facebook. Je ne parle pas de Twitter parce que Twitter est plutôt une sorte d'enregistreur de l'actualité du monde, hein, de storytelling du monde, dans quelque chose qui serait non une affirmation de soi, mais une écriture polyphonique et multimédia de l'événement, hein, plutôt que de l'événement personnel, il s'agit vraiment de l'événement collectif qui est d'abord écrit par Twitter, dont c'est l'usage principal, même si certains écrivains, et je n'ai pas le temps d'en parler, en ont fait des usages autobiographiques. Mais c'est peut-être pas le sens primaire de cet outil-là. Et c'est vraiment Facebook, 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, hein, donc phénomène massif, cadre massif dans lequel on se projette, c'est-à-dire qu'un milliard de personnes se confrontent à la manière dont Facebook vous impose de raconter votre vie. On a vu qu'il nous a imposé de raconter notre vie du début jusqu'à la fin et ensuite même de le déposer de manière commémorative après l'avoir restructuré. Alors, c'est une vie qui se dit, selon les critères de la modernité, sensible, des sensibilités. Hein. La vie, rappelle Jean-Claude Kaufmann, est une invention de soi émotionnelle et imagée aujourd'hui. Hein. C'est l'émotion et l'image qui sont déterminantes. J'avais commencé par montrer quelques exemples d'individualisation à minima dans ces images de Facebook, mais je crois que c'est vraiment cette construction par l'image et par la sensibilité, par les goûts, qui est déterminante dans Facebook. Et on peut vraiment mettre en regard la manière dont nous existons par nos likes, par nos mentions j'aime, également, qui sont encore plus fortes que des simples likes de statut, avec hein, cette sensibilité autobiographique à la variabilité de l'individuel, telle que Roland Barthes avait pu l'imaginer lorsque dans le Roland Barthes par Roland Barthes, il avait, vous savez, formulé ce « j'aime, j'aime pas hein, », qui est vraiment une sorte de Facebook avant la lettre. Et je trouve que l'idée d'un hachurage discret décrit admirablement bien hein, cette présence, cette construction de soi par assemblage d'éléments extérieurs et d'éléments intimes tels que nous la produisons. Alors vous savez tout le dispositif, hein, un dispositif de définition par des à propos, hein, à propos géographique, un storytelling iconique hein, qui par exemple va scripter et cadrer votre récit de vie. Vous allez pouvoir choisir, par exemple, dans vos voyages d'expérience, entre nouveaux passe-temps, nouveaux instruments, nouvelles langues, etc., tatouage ou piercing, hein, tous les éléments d'identité tels que Facebook peut les penser, avec quand même la latitude, contrairement à Bubble, hein, de rajouter, de créer le vôtre. Hein. Premier mot, premier baiser, mais si on a envie de raconter, je ne sais pas moi, la première course à pied ou la première partie de chasse avec son grand-père, ce qui est peut-être un peu moins politiquement correct, là, on peut créer son propre événement. Alors, cette fabrique de la mémoire, elle est constamment
organisée. Hein, par exemple, vous devez scripter l'évolution de votre sensibilité. Alors, voyez, par exemple, qu'est-ce que vous propose Facebook comme événement, un instant favori? Ça peut être quoi les instants favoris sur Facebook? C'est premier baiser, apprendre à nager, apprendre à faire du vélo, premier vol, acheter une voiture, achat d'une maison. C'est pas mal quand même. Hein, c'est dans un script qui ne permet pas justement de s'autonomiser. Alors, premier baiser, acheter une voiture, moi j'hésite, j'ai pas pu trop répondre à cette question-là, n'ayant pas le permis de conduire en particulier. Mais je me suis beaucoup intéressé à une autre forme de souvenir, hein, qui était ces formes de fiançailles possibles, de mariage possible, d'enfants possibles, ou d'aller sur son lieu de vacances, qui était une manière de scripter la mémoire. Hein, la mémoire est scriptée, la mémoire est tunnelisée, elle est orientée. Alors, bien sûr, une certaine maîtrise est possible, vous pouvez cocher les modalités d'existence, hein, les formes d'existence, les facettes de vous-même qui vont vous dire, hein, dans une certaine mesure, parce que vous pouvez choisir entre émission de télévision et film. Hein, il est difficile de se dire par la couleur de ses vernis de pied, quoique certaines certains éléments peuvent l'inventer. En tout cas, vous avez, même si une pluricité d'apparence et d'état d'être apparaît, on n'est pas chez Souriau, et c'est comme extrêmement canalisé, les formes par lesquelles vous existez, hein, ce sont des cases à cocher, et ensuite c'est de même scripté intérieur. Alors, des formes de liberté existent, parce que Facebook reconnaît que nos identités narratives sont des identités aussi emprunté au texte, il y a une textualité de notre identité personnelle, mais dans un espace qui est de plus en plus restreint dans Facebook, hélas, qui est l'espace où on va raconter son à propos. Et là, on peut recourir à des citations. Là, j'ai pris un cas de quelqu'un qui va quand même prendre quelques citations qui le définissent. Et voyez d'ailleurs Martuccelli, le grand sociologue Martuccelli, appelle le pluralisme identitaire. C'est jamais une citation unique, mais c'est souvent une pluralité de citations contradictoires qui nous définit dans ces espaces-là. Alors, souvenir, action, vie, événement, les actions, hein, par un historique immédiat qui va être fabriqué, même si vous ne produisez pas d'historique vous-même. Facebook enregistre les lieux où vous êtes, il enregistre donc les formes d'action que vous avez pu avoir, hein, avec des diffractions qui sont déjà sensibles, une forme de chaos. Hein. Moi, je n'ai pas écouté l'analyse de Chim sur Deezer, c'est mon fils qui partage mon compte. Hein. Je ne sais pas si je vais aller à la présentation du bouquin Les fiancés de Déborah Lévy. Je ne suis pas encore sûr d'y aller. Hein. Mais j'ai sans doute dû cliquer que j'aimais les auteurs solidaires de France Culture. Alors, de même, les lieux des cartographies géographiques, des formes de musique, hein, avec là aussi autre disjonction. Un collègue libanais a rajouté que j'étais présent à une réunion où j'étais présent qu'en pensée, ce qui fait qu'on m'a attribué un déplacement dans un lieu où, hélas, je n'ai pas eu le temps d'aller entre deux choses. Alors, le premier usage est vraiment un usage de narcissisme, un usage de marketing de soi, hein, de promotion personnelle. Et les gens ont acculturé très facilement, hein, c'est logique, c'est script, pour raconter, pour faire la promotion de soi, pour raconter par exemple la mettre en scène sa propre surface médiatique. Vous avez des coachs, vous avez des gens qui gèrent votre image Facebook pour vous. Les formes les plus habiles étant des formes de marketing indirect. Alors là, je me suis un peu amusé parce que Sylvie Gracia est quelqu'un qui a fait un bouquin qui s'appelle Le Livre des Visages, qui interroge beaucoup sur le storytelling, mais elle utilise elle-même ce storytelling par des gens qui vont poster des choses sur ses bouquins. Sur sa propre page, c'est encore plus malin finalement que l'affirmation directe. Hein. On est vraiment dans quelque chose qui va être d'emblée, hein, une construction maîtrisée, et l'idée que finalement du malgré soi ou des choses qui seraient extrêmement embarrassantes transparaissent finalement
et qui a été beaucoup, qui a beaucoup inquiété hein, sur Facebook, en réalité, les gens ont très rapidement maîtrisé ce type d'outil. Je me souviens qu'au début de Facebook, j'avais un collègue, j'étais maître de conf à Bordeaux 3, qui avait laissé entendre ses pensants pour les tout jeunes garçons. C'était remonté, il y avait une lettre de président de la fac, attention à maîtriser, machin. Maintenant, ce n'est pas à peine d'expliquer ça au collège, aux adolescents. Ils ont eux-mêmes compris hein, comment on maîtrise cet espace intermédiaire entre le public et le privé, hein, et comment... La privacy peut être gérée. Hein. En tout cas, il faut l'espérer, même si sans doute des dérives sont encore présentes. Hein. Mais si vous voulez, je crois que cette appréhension du rapport entre l'en soi et le pour l'autre, hein, dont on a bien souvent fait des réseaux sociaux l'outil de brouillage, en réalité, quelque chose par laquelle toute construction individuelle passe. Hein, cette appréhension de ce que j'ai le droit de dire socialement, ce que j'ai le droit de cacher, ce qui est intéressant que j'avoue. Enfin, il suffit d'avoir lu Sartre pour comprendre, hein, si vous voulez, que cette maîtrise de l'expressivité, ces jeux de rôles sociaux hein, n'ont pas attendu Facebook pour exister. Hein, en tout cas, ils sont puissamment présents, même avant la naissance. Ce matin, je vois Facebook et je voyais quelqu'un qui mettait une trace d'avant l'être, hein, finalement, de quelqu'un sur Facebook. Alors, tout pouvoir suscite son contre-pouvoir, leçon que bien souvent Salmon oublie, suscite son propre chaos, ses propres échecs. Hein, il n'est que de penser à la manière dont Facebook a dû ajuster à de très nombreuses reprises ses politiques de privacy, dont Facebook, par exemple, sous la pression, a dû vous permettre, par exemple, d'avoir une identité qui est transsexuelle, d'être sans genre, hein, tout simplement parce que la norme sociale californienne, disons, des individus à l'avancée de la Silicon Valley, a poussé Facebook, était de reconnaître hein, ces formes de transsexualité ou de sans-genre, et a poussé à faire un lobbying sur Facebook. Et maintenant, quand vous choisissez votre genre dans Facebook, vous pouvez être ni homme ni femme. Hein. Mais là, il ne s'agit pas de quelque chose qui serait une volonté libertaire, hein, une émancipation de Facebook. Non, ils ont juste repris les catégories que des associations leur avaient suggéré de choisir. Hein. De même, les formes d'union ont été beaucoup déclinées sous la pression hein, des utilisateurs. Donc finalement, il ne faut pas négliger la manière dont les utilisateurs peuvent faire pression pour changer le dispositif normatif. Hein. Et on est dans le même ordre d'action collectif que par rapport à d'autres institutions dans les mêmes types de dialectique que celle qu'a savamment étudié Foucault dans l'histoire de la sexualité. C'est exactement le même ordre de dialectique, sauf que l'interlocuteur n'est plus l'État, hein, mais l'interlocuteur est une société hein, qui doit rendre compte autrement, hein, dans les modes de justification d'existence, sont toute une série de slogans du type Google, Do No Evil, donc sont une logique de bien hein, qui ne peut pas être remis en question par les pratiques réelles, de la même manière que c'est au nom des grands slogans ou des grandes directions des droits de l'homme qu'on va contester l'action de l'État et proposer les évolutions de la société. Hein. Simplement, sont pas les slogans ne sont pas au même endroit. Alors, les contre-pouvoirs, maintenant, du sujet. Hein, je n'ai pas le temps de rentrer sur cette question des contre-pouvoirs sociaux hein, par rapport aux réseaux sociaux. Ce qui m'intéresse plus précisément, sont les contre-pouvoirs du sujet. Au fond, d'ailleurs, est-ce qu'il faut uniquement parler de contre-pouvoirs? Simplement, des usages libres, hein, des usages souvent déviants, qui sont favorisés par l'interactivité hein, et par les formes de réflexivité constante qui sont favorisées sur Facebook. Je pense qu'on peut comprendre ces contre-pouvoirs qu'en soulignant hein, cette dimension fondamentale de
l'interrelation dans Facebook et de la réappropriation, hein, en mash-up, comme on dit techniquement, en agrégation, en synthèse de la production extérieure. Hein. Au fond, là j'ai pris une jolie citation de Supervielle que j'aime beaucoup, mais au fond, la manière dont nous composons notre identité en republiant ou en retweetant sur Twitter ou en prenant des photos, en empruntant des photos, n'est qu'une explicitation de cette consommation, de cette construction de soi par recours, hein, à des modèles extérieurs qui sont parfaitement analysés. Hein. Et les stratégies, je vous disais tout à l'heure que les stratégies de lisibilité, hein, comme dirait Nathalie Nick, se sont simplement déplacées sur Facebook. Les stratégies de construction de soi par emprunt, hein, de seconde main dans l'identité personnelle, qui étaient celles aussi anciennes que Rousseau, hein, lisant les vies de Plutarque et voulant mettre en scène par lui-même tel ou tel aspect de ce que c'était que une vie exemplaire, hein, faisait ces phénomènes de réappropriation par des modèles, des contre-modèles, par des détails, par des anecdotes, ce qu'est autrui au profit de ce que doit devenir soi, finalement, ne change pas profondément. Hein. Peut-être sont-ils mondialisés, peut-être ont-ils accès à des formes d'entropie, hein, grâce au brouillage social, peut-être ont-ils accès avec le multimédia à d'autres formes d'expressivité, mais néanmoins, cette capacité que nous avons à nous construire et faire de nous auteurs de notre vie, si c'est ça le critère de jugement, hein, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un critère qu'on peut déconstruire, qu'on peut critiquer, mais s'il s'agit d'être auteur d'une vie qui va se définir par sa singularité, eh bien, l'entropie et la basse capacité de nous approprier ce flux, ce matériau, est déterminant. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai pris quelques exemples. Hein, ça donne des formes d'expression qui sont simplement par des choix de photographie, une sorte de chronique photographie du quotidien. Là, je vois une série qui s'appelle La Petite Vie, hein, qui est une sorte de micro-chronique à la Annie Ernaux, hein, de photo-autobiographie, hein, pour une catégorie commune. Une catégorie de chronique textuelle. Hein, je me réveillais ce matin et je voyais quelqu'un qui réfléchissait sur la forme de nuage et quelqu'un d'autre qui réfléchissait sur son propre rapport au numérique, comme ça sur Facebook. Une sorte de journal intime, hein, qui serait donné à voir et qui construirait ce rapport au monde. Ça peut prendre la forme d'une sorte de philosophie. Hein. Je me suis amusé à prendre des réflexions que Zizek mettait sur lui-même. Ça peut prendre la forme d'une poétisation, hein, au fil de l'eau, où quelqu'un va utiliser une photo, va utiliser le poème d'autrui, ou produire ses propres poèmes. Ça peut être simplement l'enchantement de quelques images saisies. La Jeanne Balibar avait posté quelques très jolies images, là encore, ce matin. C'est souvent spectaculaire, c'est parfois beaucoup plus modeste et extrêmement drôle. Il y a une sorte d'arte povera, hein, vous voyez quelqu'un qui bricole, une sorte de satellite, et qui met en scène un objet, hein, qui est aussi un artiste contemporain. Donc le lien avec la créativité artistique est extrêmement frappant. Dans un autre article, j'ai développé l'idée qu'il y a une socialisation de la création et il y a une injection de la créativité dans nos existences sociales, dans nos existences quotidiennes. Et vous le voyez très bien, en particulier avec des gens qui sont eux-mêmes, ou par ailleurs, s'il y a encore un ailleurs, des créateurs. Là, je prenais l'exemple de cet artiste contemporain. Je peux prendre l'exemple de l'humour d'un écrivain, Alexandre Civico, par exemple. Hein. Dans un autre article, j'avais pris l'exemple de Claro et de ses statues. Ça m'avait fallu des soucis parce que j'avais dit que les statues de Claro étaient au moins aussi drôles que ses bouquins, au moins aussi intéressants que ses romans. Il m'en est beaucoup voulu. Mais vous avez des formes d'humour à minima particulièrement bien employées, hein, par des écrivains qui, avec un petit morceau de papier où il y a Stéphane Mallarmé, hein, d'une conférence, arrivent à faire une mise en scène, hein, avec un art extrêmement savant, ou encore un grand, c'est pas un hasard, un grand scénographe, hein, Benjamin Lazare, qui, à partir d'une affiche de métro, hein, arrive à créer tout un monde imaginaire. Hein. Alors, c'est parfois un humour plus violent, hein, c'est souvent sous le mode de l'ironie, hein, mais pensez au journal de Jules Renard. L'ironie est la modalité, par défaut finalement, de l'expression de la chronique. Hein. Là, j'ai pris cet écrivain d'un culte, Bruce Bégout, hein,
qui chronique, mais extrêmement judicieuse, comme ça, la, peut-être un peu la manière dont Nadal Pirer le fait, hein, les discours médiatiques pour les transformer. C'est parfois un peu féroce, alors on passera vite parce que c'est un peu trash, hein, sur la manière dont on peut détourner, hein, un autre écrivain des publicités sociales, ici une publicité de sur le baptême. Ça peut être une ironie inter-écrivain, vous voyez, une plaisanterie contre Facebook, contre Houellebecq via Facebook de Béatrice Lichier. Et c'est souvent très ouvert, c'est souvent très intéressant quand c'est ouvert, quand quelqu'un comme ça nous montre une photo. Alors c'est un peu coupé dans mon truc, mais la question c'est, on en voit le bout. De quoi en voit-on le bout? Et toutes les stratégies que j'ai un peu étudiées par ailleurs, de double allocation propre au théâtre, où il y a peut-être deux destinataires, le plus important n'est jamais celui qu'on croit, sont présents sur Facebook. Alors, Facebook l'autorise encore, on peut aller jusqu'à des formes de détournement identitaire, hein, par exemple, vous pouvez truquer les informations que vous mettez, jouer le rôle de Anne Boleyn, hein, personnage qui des Tudors, et qui se donne comme étant une emmerdeuse partout. Hein, vous voyez, vous pouvez détourner votre identité, vous pouvez avoir des identités drôles, hein, j'ai quelqu'un que je ne citerai pas, hein, qui prend le rôle de Victor Hugo, hein, et qui raconte sa vie quotidienne avec les métaphores de Victor Hugo, et quand elle parle en vacances, parle de pour Juliette, hein, en parlant de son compte en banque non extensible. Il se trouve que c'est universitaire de sexe féminin qui fait ça depuis des années, et son travail de reformulation, de réinvention d'identité est particulièrement passionnant. Alors vous pouvez prendre des identités mémorielles, Pérec, hein, écrire le monde à la Pérec, hein, vous pouvez fabriquer des faux événements, hein, comme par exemple l'apprentissage d'une nouvelle langue, où vous allez détourner, hein, vous voyez, l'ensemble des éléments que nous avons vus comme étant cadrants deviennent non cadrants. Ce qui est vrai pour les écrivains le sont à moindre mesure pour les gens qui investissent moins en termes de travail identitaire leurs espaces sociaux. Mais moi, ma théorie, c'est qu'en vous poussant l'invention de soi-même et en vous fournissant des cadres, Facebook vous invite finalement à jouer de ces cadres, à jouer de ces normes. Quand on vous propose des normes, la première chose que vous faites, c'est que vous allez jouer de ces normes-là. Et en permanence, les réseaux sociaux sont faits de déstabilisation identitaire autant que de construction de storytelling scripté. Salmon désignait en particulier le fait que le storytelling empêchait le contrat fictionnel, hein, le storytelling aboutit à dénoncer le contrat fictionnel, écrit-il. Eh bien, justement, dans cette poétisation, dans cette introduction de fiction, voyez la manière dont les formes d'écriture par statut, de leur identitaire, vont arriver à fabriquer, hein, des identités qui ne ressemblent pas à ce que le cadre vous propose qu'elles puissent être. Alors, sans doute, ça construit une forme d'identité qui est extrêmement complexe, qui est sans doute très différente de la manière dont nos identités se vivaient par le passé, dans la mesure où cette hétérogénéité interne s'explicite par des images, par des musiques, par des sons, par des citations, dans une sphère mondialisée et déhiérarchisée. Assurément, hein, on est dans ce que le grand manifeste du réalisme des réseaux du penseur James Bridwell nomme une manière que nos histoires ont d'exister et de se chevaucher, hein, en un assemblage d'affects et de liens. Hein. Sans doute, cette vision kaléidoscopique, hein, de l'identité et de l'individuation renvoie à une conception d'identité qui est
déhiérarchisé, qui mêle l'infraordinaire aux événements majeurs de la vie, qui va mener l'intime à l'extime, qui va mener le moi à l'autre. Assurément, ça favorise un nomadisme identitaire. Mais pour revenir à la question que nous posions précédemment, je crois que le constat est beaucoup plus nuancé que ce que Christian Salmon désignait. Hein, le règne est celui de l'inattendu, hein, du brassage, de ce que Citon nomme l'accélérationnisme, hein, qui va souligner la manière dont les autonomies peuvent reprendre en charge les connexions. Il n'y a pas au fond un storytelling numérique, mais des storytelling, chacun dicté par des logiques d'interface, des habitudes d'usage, des produits et des objets, hein, comme les téléphones ou les choses qui enregistrent malgré nous, qui nous documentent malgré nous, comme les bracelets connectés et autres dispositifs du web des objets. Mais l'ensemble de ces storytelling sont souvent divergents, difficilement cohérents entre eux. L'accélérationnisme, la capacité de mobilité de l'individu, hein, nous permet de nous approprier et de créer de la distance et de l'humour. C'est parfois même les dysfonctionnements des outils qui vont les produire malgré nous. Hein, parfois un humour d'ailleurs qui peut être extrêmement triste, qui peut être tragique lorsque, par exemple, vous demandez en amitié quelqu'un de mort ou des choses comme ça. Ça peut être parfois de l'humour noir, mais en tout cas, les dysfonctionnements même de ces outils-là produisent leur propre possibilité de divergence, de réappropriation, de détournement. Hein. Le régime concurrentiel dans lequel se trouvent ces outils-là favorise également le fait que nous soyons constamment dans des décadrages, hein, et des usages de ces outils-là. Et vous voyez ce qu'on nomme comme étant la grande préoccupation du web, à savoir l'absence de contexte. Hein, vous savez, c'est cette théorie qui dit que le grand problème dans la construction de soi, hein, et c'est quelque chose qu'analyse notamment Dana Boyd, hein, c'est le contexte collapse, l'écroulement du contexte, qui fait que vous allez pouvoir tweeter quelque chose sur quelque chose qui est par exemple une activité universitaire, sociale, mon identité sociale, dans un contexte qui est ma page personnelle Facebook, ce que j'ai fait ce matin quand je suis arrivé. Eh bien, ce contexte collapse, en fait, moi je pense qu'il est partiellement maîtrisé et qu'il peut être largement utilisé, hein, par les individus. Autrement dit, contrairement à Christian Salmon qui affirme que le storytelling assisté par ordinateur, hein, constitue le prolongement des dispositifs de contrôle et maîtrise d'individu, hein, il me semble que la délinéarisation possible, la complexité de ces nouveaux ordres narratifs intermédiaires, la capacité de détournement des normativités des catégories présupposées, la capacité de modifier la grammaire des actions, la grammaire des sensibilités produites, permet toute une créativité de détournement, hacking poétique, mouvement de libération des données, collaboration avec les machines contre les systèmes des machines. On va utiliser les algorithmes contre l'intention de Facebook en jouant. Hein. La contre-culture anarchiste subversive du web est extrêmement puissante et les résistances sont d'autant plus fortes, la résistance ultime étant ces phénomènes de déconnexion, hein, qui sont au fond mis en scène par le réseau lui-même. Hein. Je vous renvoie à ces témoignages, hein, de Thierry Crouzet, ce blogueur. J'ai débranché, comment revivre sans Internet. Hein. Donc les veines de disparition constituent d'autres formes de contre-pouvoir que ce monde virtuel fabrique. Alors comment terminer, si ce n'est pour vous dire que au fond, ces identités diffractées, ces entiers mobiles, ces discours ouverts, n'est sans doute pas imputable au numérique, hein, mais sans doute imputable à une conception contemporaine de l'individu dans un monde qui se désagrège. C'est pour ça que je renvoyais, hein,
à Martuccelli, et qu'au fond, dans cette explicitation, dans cette apparente fragilisation, une complexité et une opacité renaît. Hein, une opacité renaît. Ce n'est pas parce que vous saturez le monde de signes, hein, sur votre qui vous êtes, que vous indiquez vos préférences, votre identité, que vous en êtes pour autant moins libre et moins opaque. Mon idée, cet avènement de l'individu éclaté, hein, peut être compris de ce point de vue-là, en vrai parallèle avec ce que la littérature et les théâtres contemporains nous ont dit, et je vous ai renvoyé, c'est là-dessus que je terminerai, hein, par une très très jolie phrase de Pascal Quignard, hein, qui remettait en question cette idée qu'on va s'affirmer et se construire soi-même et être soi-même, en expliquant qu'il y avait au fond un déchirement, un inapaisement. Et je crois que ces réseaux sociaux ne jouent pas seulement les stéréotypes ou l'assignation de se construire comme individu avec la mélancolie que ça fabrique. Je vous envoie aux travaux d'Ehrenberg notamment, hein, prolongés maintenant par d'autres réflexions de psychanalyse. Comme Pierre-Henri Castel, hein, mais nous conduit à un individu divisible, malléable, modulaire, relationnel, indirect, indirectement défini. Et je crois que c'est cette opacification, cette complexité comme capacité de résistance, hein, ou comme obscurité native, en dehors d'une directive du rapport au pouvoir, que les réseaux sociaux nous proposent aussi. Je n'ai pas dit exclusivement, mais aussi. Hein. Voilà, donc quelques réflexions qu'on peut discuter ensemble. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Alexandre. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, parce que c'est enregistré, si ça ne vous ennuie pas. Merci pour la présentation. Je suis totalement d'accord avec vous sur la possibilité, en effet, de, dans cette norme qui est définie soit par des sociétés sur différents réseaux sociaux, de pouvoir trouver sa liberté, donc je suis totalement d'accord. À mon avis, en plus, il faut aussi rajouter, mais je pense que vous le faites par ailleurs, toute la possibilité qu'on a de créer une identité sur différents réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas du tout la même personnalité sur Twitter. Absolument. Et sur Facebook. Voilà. Par contre, je pose vraiment une question. Vous avez parlé à un moment des objets connectés. Est-ce que justement, il n'y a pas un moment où toute cette data qu'on construit, pour le moment, sur Facebook, on la contrôle. Je suis prévenu que quelqu'un, et même si ce n'est pas moi qui produis, je suis prévenu que quelqu'un m'a tagué dans une photo. Est-ce que quand on va commencer à produire massivement de la data dont on n'aura pas conscience, est-ce que là, on ne va pas ne plus être capable de maîtriser nos propres histoires ? C'est-à-dire, j'ai vu hier le site du Vélib de Chicago qui propose de revenir avec votre carte où vous avez, à chaque fois que vous êtes déplacé, vous avez utilisé un Vélib, de dire bon, on va vous faire votre histoire de votre Vélib de Chicago pour vous balader et voir ce que vous êtes. Est-ce que ça, il n'y a pas un risque qu'à un moment, l'arrivée justement du big data et des objets connectés qui créent de la data sur nous sans qu'on le sache ne brise pas, enfin, ne nous oblige pas justement à nous soumettre à cette norme, que je ne suis pas sûr. Mais bon, voilà, je vous pose la question. Bien sûr qu'il y a des problématiques lorsqu'une compagnie d'assurance impose, enfin, promet des réductions de primes quand on a un bracelet connecté qui fait remonter des conduites comportementales meilleures, lorsque les assurances imposent, voyez, ces outils qui dans les voitures vont filmer ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur pour vous garantir, lorsque vous ne savez probablement pas, mais au fin fond de votre iPhone, dans les données de localisation, il y a la carte de tous vos déplacements à Paris. Assurément, ce sont des problèmes réels. Hein, assurément, ce sont des problèmes réels. Et effectivement, cette forme d'auto-documentation de soi, ce qu'on appelle auto-documentation de soi, hein, je traduis
assez mal le vocabulaire anglais, mais en tout cas cette manière que ces objets ont de faire remonter des informations malgré vous-même, et vous en percevez d'ailleurs quand vous postez avec des informations de localisation sur Facebook, que vous n'avez même pas eu le temps de valider, et que vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah bah tu n'es pas à ta fac, tu n'es pas au bureau, machin, truc, etc. » Assurément, il y a une remontée plus ou moins opaque, plus ou moins dans le web invisible, et un stockage de données qui peut inquiéter. Moi, je pense qu'il existe au niveau à la fois gouvernemental et associatif des formes de contre-pouvoir, que ces outils sont extrêmement sommaires et que leurs renseignements sont très insuffisants, voire très ambigus, pour être capable de véritablement dire l'individu. Enfin, je crois qu'ils sont très, très en deçà et qu'au fond, ça sera toujours une opacité ultime. La machine ne peut vous dire, en théorie, si vous avez bien dormi, mais elle ne vous dira pas ce dont vous avez rêvé. Donc, impossibilité pour ces données-là de créer un récit de soi qu'on ne maîtriserait pas. Vous pouvez, si vous corroborez, on fabrique autant, un individu fabrique autant de data en une année que l'ensemble de l'humanité au 19e siècle, on a pu montrer. Hein, parce que, aussi bien, ben là je suis enregistré, je suis géolocalisé, mes mouvements sont géolocalisés par mon Navigo, etc., etc. Donc on fabrique des data dans une quantité astronomique en permanence. Simplement, il faut pas tomber dans quelque chose qui serait une sorte de paranoïa, de l'invasion de l'individualité. Moi, je crois que le socle de la liberté reste de toute façon opaque, au fond opaque aussi à nous-mêmes. Moi, je ne suis pas absolument inquiet sur la manière dont on pourrait percer hein, nos ultimes secrets par tous ces équipements et toutes ces informations. Hein. En réalité, toutes ces informations sont très, très ambiguës, pas parce que vous avez été à tel endroit qu'il s'est passé telle chose, etc., etc., etc. Mais ces inquiétudes sur les données personnelles, elle est très ancienne, elle est même antérieure au web, hein, elle est très, très antérieure au web. Et elle nécessite assurément aussi des contre-pouvoirs sociaux, des commissions d'éthique, hein, je ne dis pas le contraire non plus. Ce qui est intéressant, c'est de savoir au fond, c'est qu'on agrège, si vous voulez, à la construction du sujet, aussi des informations maintenant biologiques, finalement. Quand on va poster moi j'ai des amis qui commencent à faire ça, qui postent les résultats des logiciels qui enregistrent leur parcours sportif, quand on fait un footing, et qui enregistrent aussi leur rythme cardiaque, au fond, on agrège à l'écriture de soi des formes documentées médicalement, quasiment, d'existence, alors que ça se serait passé par une interface verbale, on aurait expliqué, j'étais très essoufflé quand j'ai fait mon footing, si on devait le raconter dans un journal, voyez. C'est peut-être la seule chose qui change, c'est que ce sont des données soi-disant objectives que ces outils fourniraient. Oui, Marie-Jeanne. Oui, vous disiez à la fin que, à la fin de votre intervention, qu'en nous poussant à inventer notre identité en proposant des cadres, Facebook invite aussi à en jouer. Il me semble que c'est exactement la définition du genre. Je me demandais si, selon vous, on pouvait penser ces dispositifs de construction identitaire sur le modèle du genre littéraire. Absolument. Moi, j'ai essayé d'étudier la manière dont, en fait, Twitter était un genre à contrainte. Donc, on a fait des Twitter romans, de la Twitter poésie, des haïkus sur Twitter, hein, dont Facebook était vraiment un genre. Parce que vous savez que les définitions du genre, c'est d'ailleurs pas seulement une forme, c'est un type d'énonciation, un contexte d'énonciation, un concept, un contexte prévisionnel de réception. Et celui de Facebook, qui se situe au carrefour de l'écriture de l'intimité, et du journal publié, favorise typiquement des logiques qui sont très anciennes dans les formes d'écriture de journaux publiés ou de chroniques, qui sont l'ironie de Saint-Simon, voyez, donc c'est pour ça qu'on retrouve sans doute très, 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 très fortement hein, des couleurs littéraires propres à la forme, hein, donc ce qui définit finalement un genre, dans ces formes d'écriture numérique. Et évidemment, tout genre est là pour être en permanence transgressé, puisque en vous poussant à utiliser ces objets,
on vous fait prendre conscience de ces objets. Et prendre conscience d'un objet, c'est y introduire des capacités de symbolisation, mais aussi de jeu. Hein. Donc je dirais même que pour des gens qui ne sont pas écrivains, hein, parfois les formes d'inventivité ou de jeu sur ce que c'est qu'un statut Facebook peuvent venir de gens qui n'ont aucune pratique littéraire. Simplement en poussant à cette espèce de restriction, ce petit espace, etc., les gens parfois arrivent à décadrer complètement l'outil. Et ça, c'est passionnant, et c'est pas seulement propre aux écrivains qui passent sur les réseaux sociaux. Ben, comme les organisateurs, hein, je suis aussi très attristée de l'absence de Pauline Pérez. Donc pour des raisons de santé, ça me met aussi dans une situation un tout petit peu inconfortable. Peut-être on peut te présenter brièvement, ouais. Parce que tout le monde ne sait pas qui tu es. Estelle, tu avais un petit topo, non? Alors peut-être, peux-tu te présenter toi-même? Oui, je suis Marie-Jeanne Zenetti, je suis docteur en littérature comparée et j'enseigne la littérature française contemporaine à l'Université de Lyon 2. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à Raconter la vie, donc le site que vous voyez derrière moi à l'occasion du cycle storytelling sur l'invitation de Daniel Perrot. Et voilà, notamment parce que Annie Ernaux a participé à la collection Raconter la vie. Et suite à ça, donc, ça a donné lieu à un article qui va apparaître incessamment et à un échange avec Pauline Pérez, qui est une des deux personnes qui dirigent ce site-là. Et donc, voilà, on a eu un échange par mail, on devait avoir un débat où elle défendrait ce site-là, et où moi j'expliquais aussi certaines des réticences que je peux avoir à son égard. Malheureusement, elle ne peut pas être parmi nous. Et donc, évidemment, ce n'est pas très intéressant, ce n'est pas non plus très légitime, très honnête, de ne pas être d'accord avec quelqu'un qui n'est pas là pour répondre aux arguments qu'on avance. Je vais jouer le rôle du diable maintenant, ouais. Donc de Pierre Rosanvallon, qui aussi s'excuse de ne pas pouvoir être présent, que j'ai contacté, et qui est en déplacement aujourd'hui. Très bien, donc j'ai le diable à côté de moi. Mais pour m'en prémunir un tout petit peu, ce que je vous proposerais, c'est quand même de déplacer légèrement le propos par rapport aux échanges que j'ai eus avec Pauline Pérez, par rapport aussi à cet article dont je vous parlais. Et donc, je vous prie aussi de m'excuser pour le côté un petit peu brouillon de mon intervention, parce que si ça vous paraît improvisé, c'est que ça l'est en grande partie. Ce que je vous proposerais aujourd'hui, c'est moins de discuter des enjeux de Raconter la vie que d'essayer de cerner ce qu'un tel projet fait à la littérature et aux études littéraires dans le contexte actuel. C'est peut-être une manière d'essayer de mieux comprendre les réactions contrastées et parfois vives qu'un tel projet a suscité parmi les littéraires, mais aussi ça peut être l'occasion d'interroger la manière dont un tel projet s'inscrit dans un imaginaire de la création littéraire qui subit, me semble-t-il, ces dernières années, un ensemble de mutations et de redéfinitions. Alors pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ce projet, je commencerai par le présenter très rapidement. Donc c'est un projet qui a été fondé en janvier 2014 par Pierre Rosanvallon, qui est professeur d'histoire moderne et contemporaine du politique au Collège de France, et qu'il co-dirige avec donc Pauline Pérez, qui est historienne, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Nantes, et rédactrice en chef à La Vie des Idées. Et c'est un projet qui a une dimension double. Vous voyez derrière moi le site internet, donc qui rassemble des récits de vie publiés par des internautes. Ce sont de courts textes qu'on peut lire en ligne, qu'on peut aussi télécharger gratuitement au format EPUB ou au format PDF. C'est aussi Raconter la vie, le titre d'une collection qui est publiée aux éditions du Seuil. Et là, c'est des textes qui sont payants, donc qui existent en version papier. Et EPUB, donc 96 pages, et puis il y a un prix modique, hein, 2,99€ pour l'EPUB, 5,90€ pour le livre papier. Et bon, tout ça constitue aujourd'hui un vaste ensemble de textes, puisqu'il y a à ce jour 16 livres publiés dans la collection et environ 500 récits en ligne, je ne les ai pas comptés individuellement. Alors c'est aussi un projet qui évolue depuis son lancement, qui continue d'évoluer.
C'était aussi le but de la discussion qu'on avait entamée avec Pauline Pérez. Le principe étant toujours le même, c'est d'inviter tout un chacun à produire des témoignages, publiés d'abord en ligne, qui mettent l'accent non pas sur la vie personnelle, non pas sur la construction de l'individualité telle qu'on l'a vue, mais davantage sur son environnement professionnel ou sur une étape cruciale de la vie, un déménagement, un licenciement par exemple. L'objectif étant de rendre compte de la société contemporaine dans sa diversité et notamment de catégories sociales ou professionnelles que Pierre-Rosan Vallon estime sous-représentées. Alors, l'entreprise qu'il défend, il la défend comme l'inauguration d'un parlement des invisibles, c'est le titre du texte qu'il a publié dans la collection papier pour justifier l'entreprise, pour la présenter. Et donc, il place au cœur de ce projet la question de la représentation, au double sens de la figuration et de la représentation politique. Alors, c'est porté, vous le voyez, par une ambition démocratique, libératrice, et au moment de sa sortie, le site Raconter la vie a eu des échos médiatiques non négligeables. Ça a suscité un ensemble de commentaires assez discordants, alors tantôt enthousiastes, tantôt très critiques. Et ce qui avait attiré mon attention, c'était notamment la réaction de Christian Salmon immédiatement en janvier 2014 sur le blog qu'il tient sur Mediapart. Il décrit Raconter la vie comme, là je le cite, un projet de storytelling intégré, une injonction à se raconter qu'il associe donc à la vague de mise en récit de soi généralisée dont témoigne notamment la blogosphère. Donc c'est caractéristique d'une méfiance qui est partagée par un certain nombre d'intellectuels, qui ne va pas non plus sans une certaine fascination. Et en ce sens, de toute façon, ce projet, il me semble avoir une actualité certaine, notamment chez les littéraires, et c'est ça que j'ai eu envie d'interroger. Donc là, je ne propose pas d'analyser le contenu, les récits qui sont publiés en ligne, mais beaucoup plus les discours qui encadrent ces récits. Donc c'est des textes de présentation qu'on trouve en ligne, il y a des textes de soutien aussi. Le péritexte de la collection ou certains échos médiatiques. Alors, il m'a semblé, en étudiant cet appareil, ce dispositif discursif, qu'un des points aveugles autour duquel gravitait ce débat, c'est justement la question du littéraire. Alors, je précise tout de suite, je me fais aussi un tout petit peu le relais de la parole de la personne qui ne peut pas être là aujourd'hui. Dans les échanges que j'ai pu avoir avec elle par mail, Pauline Pérez insistait sur le fait que c'était un projet qui n'avait pas d'abord une ambition littéraire. Il s'agit principalement, expliquait-elle, d'apporter des connaissances sur la société contemporaine, donc une ambition qu'elle décrit, c'est ces mots, hein, comme cognitive et sociale, où la littérature ne serait que très périphérique. Alors, néanmoins, c'est un projet qui mobilise le littéraire, d'abord parce qu'il fait appel à des écrivains, des gens comme Annie Ernaux ou François Bégaudeau ont été sollicités. Aussi parmi les personnes qui envoient des récits en ligne, un nombre non négligeable a des ambitions littéraires, donc le site peut être considéré par certains d'entre eux comme un tremplin pour la publication d'un premier ouvrage. Et puis, me semble-t-il, surtout, il y a une référence insistante qui est faite à la littérature dans la communication autour de Raconter la vie. Donc ça se trouve dans les discours de soutien qui sont publiés en ligne, ça se trouve dans les articles qui ont rendu compte du projet dans les différents médias, et dans lesquels, très souvent, la littérature est mobilisée comme une valeur qui permettrait notamment de distinguer les textes publiés sur Raconter la vie du flux indifférencié des blogs. Alors, vous voyez notamment, si on peut aller sur la page d'accueil du site, ce qui est frappant, c'est que le bandeau du site Raconter la vie, donc il se retrouve sur presque toutes les pages, est accompagné d'un slogan, le roman vrai de la société d'aujourd'hui, soyez-en les personnages et les auteurs. Alors, Pauline Pérez m'a expliqué qu'il s'agissait en fait d'un slogan qui a été choisi par Pierre-Rosan Vallon en souvenir du livre de Gilbert Guilleminot qui s'intitule « Le roman vrai de la 3e et de la 4e République ». Et que les organisateurs du site n'emploient plus cette référence. Mais bon, quand même, l'expression, elle figure sur pratiquement chacune des pages du site, au dos aussi de chaque ouvrage paru dans la collection,
Donc même si ce n'était pas l'ambition initiale, on ne peut pas nier que ça va mobiliser chez le lecteur une référence à la littérature qui au moins implicitement oriente notre réception du projet. Alors, toujours est-il qu'il y a un certain nombre de littéraires, de chercheurs, d'écrivains qui sont interpellés par Raconter la vie, et j'aimerais essayer peut-être de cerner pourquoi. L'hypothèse que je ferais, c'est que Raconter la vie interroge une certaine situation, notamment sociale, de la littérature contemporaine, à un moment où ces objets, ces méthodes et ces modes d'existence sociale aussi sont largement reconfigurés, transformé et où peut-être il traverse une sorte de crise. Alors, j'aimerais essayer de comprendre ce que le rapport à Raconter la vie révèle de la manière dont la littérature tente de se redéfinir dans le champ contemporain quant à ses méthodes, quant à ses ambitions et quant à ses conditions d'existence. Alors pour ça, il me semble important de partir d'une redéfinition du littéraire par rapport à certains modèles et par rapport à certaines pratiques d'écriture. D'abord, par rapport au récit de vie. C'est quelque chose que tout le monde connaît ici. Hein. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le discours sur la littérature contemporaine. Par exemple, Dominique Viard et Bruno Vercier, dans La littérature au présent, ils expliquent que la littérature contemporaine serait une littérature transitive, au sens où un verbe transitif est un verbe qui admet un complément d'objet. C'est-à-dire que c'est une littérature qui prétend parler du monde. Et bon, ça, c'est une des raisons qui explique la place centrale du récit de vie dans la production contemporaine. Alors d'abord, ça correspond à la vie des écrivains eux-mêmes. On a assisté là à plusieurs décennies de développement du genre autobiographique, à une entrée dans le canon d'auteurs comme Annie Ernaux. Annie Ernaux qui a d'ailleurs publié en 2011 une anthologie de son œuvre sous un titre « Écrire la vie » qui fait fortement écho au projet « Raconter la vie ». Il y a une deuxième tendance qui s'affirme aussi, peut-être un peu plus récemment, qui consiste cette fois à écrire la vie d'autrui. Alors là aussi, il existe des classiques du genre, hein. On peut penser aux vies minuscules de Pierre Michon, par exemple, mais bon, il y a des collections entières qui sont dédiées à cet investissement biographique, et parmi les écrivains qui ont été invités dans le cadre du cycle storytelling à la Maison de la Poésie, il y en a plusieurs qui font ça, hein, des biographes. Alors on a eu Arnaud Bertina, qui raconte l'histoire d'un ancêtre, ou celle de Johnny Cash, Alban Lefranc aussi, qui a travaillé sur Fassbinder, sur Mohamed Ali, ou plus récemment qui vient de sortir un livre sur Piala. Mais aussi, parmi les écrivains contemporains, de plus en plus de gens qui s'intéressent aux inconnus, aux vies ordinaires, hein, que ce soit Annie Ernaux en parlant de ses parents, ou François Bon qui s'intéresse aux trajectoires des ouvrières de Déhou. Donc tout ça se situe très généralement dans la lignée du projet foucaldien, hein, de raconter la vie des hommes infâmes. Et simplement, il me semble que dans son ambition, raconter la vie, et dans sa formulation même, le projet donc, de Pierre-Rosan Vallon rencontre une des obsessions très très fortes de la littérature d'aujourd'hui, qui se manifeste aussi ailleurs, hein, dans le journalisme et dans les sciences sociales par exemple. Alors, tout ça, c'est lié à un deuxième aspect très marquant, très prégnant dans la littérature contemporaine, qui est le rapport que cette littérature entretient à la parole ordinaire. Ce geste de recueillir des voix difficilement audibles. Alors, les exemples en sont vraiment innombrables. Je pense à Hôpital Silence de Nicole Malinconi, qui a travaillé dans une clinique à Namur à l'époque où l'avortement était illégal, et donc qui recueille ce qu'elle appelle les mots perdus de l'hôpital. On peut penser à François Bon dans des livres comme Déhou ou Prison, à Olivia Rosenthal qui mène des entretiens avec des malades d'Alzheimer, ou à un livre comme celui d'Éléonore Mercier, Je suis complètement battue, qui est paru chez POL en 2010. Éléonore Mercier, elle a travaillé dans une centrale d'écoute téléphonique pour les femmes battues, et elle a pris l'habitude de noter systématiquement la première phrase que ces femmes lui disaient quand elles décrochaient le téléphone, et donc elle les a publiées telles quelles chez POL.
Alors, toutes ces pratiques qui consistent à prêter l'oreille à ce que Pierre-Rosan Vallon désigne comme des invisibles, qui seraient d'abord des inaudibles, ça reconfigure une nouvelle manière de voir le travail de l'écrivain comme une manière de chercher des techniques d'écriture qui permettent de donner à entendre ses voix. Et il me semble que cette tendance de la littérature contemporaine à s'intéresser aux vieux ordinaires et aux paroles communes ne va pas sans poser un certain nombre de questions, qui sont au moins trois, celle de la littérarité, celle de l'autorité et celle de la légitimité. Alors, celle de la littérarité d'abord, parce que on rejoint là la question qui est posée par Jeunette du statut des littératures factuelles. Leur littérarité à ces objets est toujours tributaire d'un jugement de valeur, elle est variable. Donc, contrairement à du roman ou de la poésie qui peuvent être mauvais mais qui restent de la littérature, une biographie par exemple, elle doit être jugée bien écrite pour basculer dans le domaine du littéraire, sinon elle reste un document et bien sûr ce statut est réversible et fragilise l'objet. La question de l'autorité ensuite, si je retranscris d'abord des données trouvées, des paroles d'autrui, est-ce que je suis encore l'auteur de mon texte? Et jusque quand? On pourrait citer des cas limites, par exemple Paul Auster, enfin, sous le nom de Paul Auster a été publié en 2001 un livre qui s'appelle Two Tales of American Lives, qui en fait, Paul Auster a collaboré à une émission radiophonique où il demandait à des auditeurs américains de lui envoyer des récits de vie. Donc il les a juste compilés dans cette anthologie qui porte son nom pour des raisons bien évidemment d'abord commerciales. Et puis troisième question, la question de la légitimité. Qui je suis pour parler de la vie d'autrui? C'est notamment un des arguments qui a été avancé par un écrivain que j'ai rencontré à Lyon, Philippe Vasset, pour expliquer qu'il avait refusé de participer au projet Raconter la vie. Bon, ce qui est sûr en tout cas, c'est que ces questions, elles ont en commun de fragiliser la position de l'écrivain. Sur son texte, plane toujours une menace latente, une accusation latente, soit on reproche à l'auteur de ne pas vraiment faire de la littérature, soit on peut lui reprocher de trahir, de vampiriser ou de parasiter l'existence d'autrui. Donc c'est très difficile et souvent très douloureux pour les écrivains, ils en parlent beaucoup, mais ils s'obstinent, ce qui va pas sans son lot d'angoisse et de revirement. Autrement dit, raconter la vie, que ce soit la sienne ou celle des autres, parvenir à prêter attention aux voix des inaudibles ou des invisibles, ça suppose un travail qui est très long, un travail qui est obstiné, c'est quelque chose qui se mérite et qui suppose d'en passer par des réflexions relativement complexes quant aux méthodes et aux moyens de l'écriture. Alors, je renvoie à ce titre au collectif qui a été publié par Inculte sur les devenirs du roman, écriture et matériaux, auquel ont d'ailleurs collaboré plusieurs des écrivains qui étaient invités dans le cycle et auquel a participé aussi Emmanuel Pirer, qui est une vraie mine pour ces questions. Bon, je ne peux pas ici résumer les positions très, très nuancées des écrivains là-dessus, mais deux choses qu'on peut retenir. D'abord, c'est qu'il y a chez ces auteurs un désir de réel qui passe par un rapport aux matériaux. Et deuxièmement, il est tout sauf simple d'en faire usage. Ça donne lieu à des stratégies et des questionnements très, très divers. Et bon, c'est des questionnements qu'on trouve dans la littérature, bien en amont de ça, hein. Je pense notamment à un livre de Georges Perec et Robert Bobert, Récit d'Ellis Island. C'était initialement un documentaire qui avait été fait par les deux hommes donc sur l'île qui constituait la porte d'entrée du rêve américain. Et Perec a écrit un commentaire, un texte commentaire qu'il lit en voix off dans le documentaire, superposé aux images. Ils ont aussi mené une série d'entretiens. Et dans son texte, il y a une place très importante accordée par Perec à ces questions. Comment raconter? Comment comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire de raconter ces histoires? De les forcer à dire ce qu'elles ne sauraient dire, etc. Et ben, c'est des questions que posent tous les écrivains que je mentionnais. Ils y apportent évidemment des réponses très différentes. Mais ce sont toujours des réponses qui sont complexes, qui sont élaborées dans le temps, avec l'idée que écrire la vie ou la voix des autres, ça suppose l'élaboration d'une éthique par rapport au matériau.
ça suppose l'invention d'une langue, que ce soit la langue plate d'Annie Ernaux, les répétitions de quelqu'un comme Christophe Fiat, le recyclage de différents discours empruntés. Ça suppose des techniques d'écriture. Ça suppose aussi d'interroger en permanence sa propre position, son regard sur les vies et sur les paroles qui sont constituées en matériaux. Or, il me semble que c'est un travail que semble reléguer à l'arrière-plan le projet Raconter la vie, du moins en ce qui concerne les récits en ligne. D'abord parce qu'il peut donner l'impression qu'on n'a pas vraiment besoin des écrivains pour nous parler des invisibles, qu'ils peuvent se raconter eux-mêmes. C'est pas exactement le cas dans les livres papier, j'y reviendrai, parce qu'il y a beaucoup de ces livres où on a des journalistes, des universitaires ou un écrivain qui raconte la vie de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, dans les textes en ligne, on a l'idée implicite que les écrivains n'auraient pas de légitimité particulière à raconter la vie des autres, et c'est sans doute vrai. Mais aussi, il y a une autre idée qui est implicitement véhiculée par le site, je ne reviens pas en détail sur les textes de présentation, mais c'est celle qu'il est possible de raconter ou de se raconter de manière presque immédiate, naturelle, en mettant simplement l'existence en récit. Alors, c'est pas vrai de tous les récits de vie, il y en a qui s'interrogent sur le pourquoi, le comment de leur démarche, mais dans l'ensemble, les discours qui sont présents sur le site, et puis surtout cette image du roman vrai de la société d'aujourd'hui, qui me semble réactiver en fait la métaphore du miroir stendhalien, semble suggérer en tout cas la possibilité d'une mise en récit quasi naturelle. Comme si on pouvait faire l'impasse sur tout ce travail d'interrogation de la forme narrative, sur les réflexions infinies autour de la question de savoir comment raconter qui occupe les journées et les nuits des écrivains. Donc implicitement, on a quand même, on peut voir, une mise en concurrence entre les textes produits par les écrivains pour dire les vies qui les occupent et ce roman vrai de la société d'aujourd'hui au singulier que prétend être raconter la vie. Et en allant encore plus loin, on peut se demander si ces récits bruts qu'on peut lire ici en ligne, non unifiés, seraient même pas plus vrais, plus transparents, moins élaborés et donc moins artificiels que toutes ces hésitations constamment mises en scène dans la littérature contemporaine. Alors, évidemment, c'est pas une position qui est revendiquée par les responsables de raconter la vie, c'est une position qui peut être discutée dans un sens comme dans l'autre, mais il me semble que dans le contexte d'une littérature contemporaine qui est déjà fragilisée par les hésitations, par les questions que je soulevais, on peut comprendre qu'un tel projet puisse être ressenti par des écrivains ou par des spécialistes de littérature, potentiellement comme une menace ou comme une tentative de dépossession. Autrement dit, on pourrait voir dans Raconter la vie une sorte de contre-modèle ou une alternative à la littérature qui interroge aussi la démarche de ces écrivains. Mais il me semble que, de façon plus profonde encore, il s'agit aussi d'interroger leur position et la place particulière qu'ils occupent dans l'espace social. Dans la mesure où Raconter la vie propose d'élargir la notion d'autorité potentiellement à tous, hein, soyez-en les personnages et les auteurs. Alors, dans son texte manifeste, Pierre Rosanvallon utilise une formule qui me semble intéressante, il parle de professionnels de l'écrit. Il entend par là les enseignants, les écrivains, les journalistes, les universitaires. Et ce statut, il correspond à un privilège. Alors, c'est un privilège qui est symbolique, certes, et qui est peut-être dérisoire aux yeux de beaucoup, mais qui reste encore ancré dans notre société. Et c'est aussi un privilège qui est menacé par les conditions économiques de plus en plus précaires des professionnels de l'écrit, que ce soit les universitaires, les écrivains, les éditeurs, les journalistes. Il n'y a qu'à voir les manifestations qu'il y a eu tout récemment au Salon du Livre. À quoi s'ajoute une fragilité supplémentaire du côté de ceux qui s'occupent de littérature par rapport à leurs collègues historiens ou sociologues, qui est que leur prétention à produire un savoir est toujours suspecte. La littérature, à partir du moment où elle abandonne les critères du beau ou de la fiction, à partir du moment où elle prétend parler du monde, elle entre en concurrence avec tout un tas de discours, ceux de la sociologie, de l'histoire, du reportage aussi. Et le discours de l'écrivain risque toujours d'être accusé d'amateurisme ou de manque de sérieux.
même quand il invente des procédures linguistiques très rigoureuses pour rendre compte du réel. Et donc, dans ce contexte, il me semble qu'un projet comme Raconter la vie peut sembler fragiliser encore le statut des écrivains. D'abord parce qu'il affirme que tout le monde peut devenir auteur. Alors, dans les échanges que j'ai eus par mail avec Pauline Pérez, elle expliquait que, hormis quelques refus de textes qui avaient un caractère clairement diffamatoire ou pamphlétaire, aucune sélection n'a été faite pour les textes publiés en ligne. Alors, c'est évidemment pas le cas pour la collection papier, mais j'y reviendrai. Donc ça, clairement, ça dépossède les professionnels de l'écrit d'un privilège, qui est celui lié au statut d'auteur, lequel suppose toujours la validation par un tiers, que ce soit la communauté des pairs, l'éditeur ou un comité de rédaction. Traditionnellement, l'autorité, elle est contrôlée par ce que Rosan Vallon appelle les professionnels de l'écrit, c'est-à-dire aussi nous, un réseau de figures, d'institutions qui contrôlent un processus de validation. Mais aussi, Raconter la vie, en apparence du moins, semble supprimer l'instance de validation éditoriale. Alors, c'est frappant si on essaie de comparer ça à des exemples que je vous donnais, notamment le texte d'Éléonore Mercier. Il pourrait très bien exister sous forme de Tumblr, par exemple, ou voilà, sur un blog. Et dans ce cas-là, ça ne serait pas de la littérature si on avait juste ces phrases postées au jour le jour, ou peut-être pas de la littérature, je ne sais pas. Là, clairement, c'est le choix qu'a fait un éditeur, en l'occurrence POL, d'y reconnaître un geste artistique, de constituer Éléonore Mercier en auteur, qui permet à ce texte d'exister comme une œuvre littéraire. Donc il me semble que plus la production littéraire glisse vers le document, glisse vers la parole ordinaire, plus le rôle de l'éditeur devient déterminant dans la constitution du texte en tant qu'œuvre. Or, Raconter la vie va substituer à cette logique de l'autorité qui est verticale une autre logique, horizontale cette fois, qui est celle de la communauté. Alors, il n'évacue pas en fait la figure éditoriale, mais il la dissémine en reconduisant en chacun des lecteurs ce pouvoir. Alors, évidemment, et on l'a vu, on continuera de le voir aujourd'hui, c'est pas les seuls ni les premiers à le faire. C'est le propre de l'écriture en ligne, c'est le propre des blogs. Aujourd'hui, tout le monde peut lire et être lu. Et c'est précisément cette question de la démocratisation de l'autorité, cette possibilité d'une autorité pirate, non validée, qui se pose dans l'écriture en ligne. C'est aussi, bien sûr, l'enjeu d'une lutte de pouvoir symbolique, puisqu'il s'agit tout bêtement de la démocratisation de quelque chose qui était jusqu'à aujourd'hui un privilège. Alors, quelle est la particularité de Raconter la vie là-dedans ? Leur particularité, c'est qu'ils apportent clairement une réponse à un problème qui est celui que pose toute tentative de conquête d'un privilège par les masses. Conquérir un privilège, ça nécessite une organisation. Et c'est précisément ce qu'offre Raconter la vie, un cadre qui organise ces pratiques. Alors, ils l'organisent de différentes manières. En mettant en place un réseau de relecteurs, ce qu'ils nomment un réseau d'éditeurs communautaires, en proposant aussi, en créant un rôle d'invité du mois, donc en proposant à des lecteurs de commenter des textes publiés, d'offrir un parcours de lecture et donc d'offrir une visibilité à certains des textes mis en ligne, en créant des espaces de discussion en ligne qui favorisent la discussion de la communauté, etc. Et sa cohésion. Donc, tout ça semble très bien fonctionner et rencontrer le succès auprès des utilisateurs. Si on va sur le site, on s'en rend compte. Voilà. Donc, alors, pourquoi rechigner ? Pourquoi se méfier d'une telle ambition démocratique ? C'est un peu la question que je me suis posée et je me permets d'y apporter une réponse personnelle. Il me semble que la fréquentation des textes littéraires et philosophiques, elle nous apprend non seulement à nous méfier des discours des autres, mais aussi, je crois, de nous-mêmes et de notre tendance à reconduire les quelques privilèges qui nous restent et auxquels on reste férocement attaché. La vision communautaire du site
proposée par Raconter la vie, elle est séduisante, mais elle n'exclut pas d'autres usages possibles de ce site, notamment parce que les récits ne sont pas réservés, l'accès aux récits n'est pas réservé aux membres. Donc il y a deux logiques possibles. Une logique de la communauté qui est fondée sur les principes d'égalité, de réciprocité, sur des valeurs qui sont celles de la curiosité et du partage. Et puis une autre logique qui est celle de la base de données, qui rétablit là, potentiellement, une position de surplomb. Rien n'interdit en effet de faire de Raconter la vie un usage utilitaire où le lecteur serait en position intermédiaire entre le vampire et le voyeur. Vampire, si je suis par exemple écrivain ou sociologue et que je vais piocher dans ces récits de quoi nourrir mon roman ou mon étude. C'est-à-dire que, en fait, je ne vais pas accorder à ces auteurs la même autorité qu'à ma parole de professionnel de l'écrit. Il y a un effet d'ailleurs de disponibilité sur le site qui fait qu'on peut se sentir autorisé à le considérer comme une espèce de supermarché, supermarché des professionnels de l'écrit, qui est ouvert potentiellement au pillage. Et puis, voyeur, si je choisis à travers cette lucarne d'observer une humanité dont je m'exclus et qui n'a pas accès à mon existence en retour, si j'observe la communauté sans y participer, ce qui n'est pas possible par exemple sur Facebook. Vous ne pouvez pas espionner les autres sans avoir un profil. Donc, il me semble que ce dispositif, il ménage des usages qui renforcent en réalité la position de supériorité du professionnel de l'écrit que Raconter la vie cherche précisément à abolir. Donc, il ne s'agit pas d'accuser les créateurs du site de reconduire volontairement ces hiérarchies, mais peut-être qu'on... On peut leur reprocher d'avoir la naïveté de croire qu'il suffit de dire qu'on va les abolir pour que, effectivement, ces hiérarchies volent en éclats. À mon sens, il faudrait aller plus loin en réfléchissant aux manières de se prémunir contre ce réflexe de protection qui fait retour de manière quasi inévitable. Et d'ailleurs, ce qui est significatif, c'est qu'un tel réflexe consistant à rabattre l'horizontalité de la communauté sur un axe vertical, re-hiérarchisé, c'est un réflexe qui fait retour, y compris dans le dispositif lui-même. J'en ai analysé quelques exemples dans l'article. On pourrait parler du partage entre la collection papier, où sont publiés surtout des écrivains, des universitaires et des journalistes, et les textes gratuits, où là on a évidemment beaucoup plus d'anonymes. Alors il y a eu quand même récemment un cas d'un court texte publié en ligne qui a été publié en version papier, c'est le récit d'Omar Benalla qui s'intitule La Barbe. Un autre exemple qui m'a paru particulièrement frappant, c'est le cas du livre qui a été publié par Annie Ernaux dans la collection et qui s'intitule Regarde les lumières, mon amour. Alors, Annie Ernaux, c'est quelqu'un qui est très sensible à toutes ces questions de hiérarchie sociale et symbolique, et notamment à celles que reconduisent ou qu'imposent les intellectuels. Et donc, à la base, elle a choisi d'élire pour son texte un espace emblématique qui est à l'opposé de l'espace noble et politisé du Parlement que revendique Rosan Vallon dans son texte. Annie Ernaux, elle parle de l'hypermarché, Auchan. Donc, et elle réfléchit aussi sur cette exclusion de l'hypermarché de la littérature en disant, elle propose des hypothèses, elle dit notamment, l'hypermarché, ça relève du domaine de la subsistance et donc des femmes. Aussi, des hypermarchés, il n'y en a pas à Paris, intramuros. Or, traditionnellement, les écrivains en France, ce sont des hommes et souvent des Parisiens. Son choix de l'hypermarché, il est clairement politique. Elle ne le rejette pas, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un regard critique sur ce lieu, c'est pas un non-lieu de la société de consommation pour elle, elle le définit bien au contraire comme une communauté de désir, c'est ses termes, où elle s'inclut. Elle explique qu'elle aime cet espace et donc elle joue pleinement le jeu de l'horizontalité. Sauf que ce qui est assez frappant, c'est que sur le site, vous avez une présentation des ouvrages de la collection. Et l'ouvrage d'Annie Ernaux est présenté à travers un petit slogan qui le décrit comme le spectacle d'un hypermarché. Alors, le terme de spectacle,
quand on est en tout cas un professionnel de l'écrit, il fait immédiatement référence à Guy Debord, à la Société du spectacle. Et il me semble que c'est une manière un peu insidieuse de tracer une ligne de partage entre ceux qui consomment bêtement, qui sont fascinés par les lumières de l'hypermarché, et puis les lettrés, avertis, qui eux ont lu Debord, qui peuvent jeter un œil critique sur ce spectacle de la consommation. Et donc c'est exactement le contraire de ce qu'essaye de faire Annie Ernaux, mais qui semble témoigner peut-être d'un espèce de malaise de la part des éditeurs, une manière de reconduire une supériorité un peu rassurante de l'intellectuel vis-à-vis de ce spectacle. Alors, on pourrait aussi revenir sur l'expression qu'utilise Pierre Rosanvallon, à la fois dans son texte et dans la petite vidéo de présentation du site qui est en ligne. Il utilise l'expression « donner la parole », qui est une expression qui me semble très très discutable, parce que, me semble-t-il, elle entérine, sans la questionner, un partage entre certains qui auraient la parole et d'autres qui en seraient privés et à qui il faudrait la donner, un peu comme on octroie une faveur. Et à mon sens, le rôle de la littérature, il se joue peut-être précisément là, dans le fait d'interroger les discours, d'en déconstruire les présupposés, dans le fait d'interroger les modalités de partage de la parole, qui écoute-t-on, qui n'écoute-t-on pas, pourquoi, comment, et dans le fait aussi d'inventer des dispositifs discursifs qui subvertissent de tels partages. Et pour ça, il est nécessaire de toujours se poser la question de son énonciation, qui suis-je pour parler, de qui, à qui, et aussi qu'est-ce qui se joue, parfois malgré moi, dans cette prise de parole. Et en ça, on rejoint peut-être la question du storytelling et de la définition de la littérature contre le storytelling. Alors, je reviens à l'accusation de Christian Salmon, je finirai là-dessus. En quoi est-ce que raconter la vie relèverait-il du storytelling ? Il me semble qu'on peut faire deux interprétations de cette accusation. La première, avec laquelle personnellement je suis absolument pas d'accord, reviendrait à dire que les blogueurs, les membres de la communauté raconter la vie, donnent dans le storytelling parce qu'ils se lancent tête baissée dans le fait de raconter leur vie. Alors c'est une accusation qui me paraît d'une part violente, surtout quand elle est assénée de l'extérieur par des gens qui lisent et publient de vrais livres. Mais il me semble qu'on peut la comprendre autrement si on se rappelle que le storytelling participe toujours d'un dispositif de savoir et de pouvoir. Peut-être justement ce qui fait storytelling dans Raconter la vie, c'est le discours que le site propose sur lui-même. Il nous raconte l'histoire de la fondation d'une communauté basée sur le partage de récits. Et en soi, et là je prends ma distance aussi par rapport à l'opinion de Christian Salmon, je pense pas que ça pose un problème. On joue tous, c'est ce que disait aussi Alexandre Jeffen, en permanence, le jeu de la mise en scène de soi, ça participe de la légitimation de notre parole, de l'invention aussi de nos modes de socialisation. Et c'est quelque chose dont on peut bien évidemment essayer de jouer, quelque chose qui crée des communautés. Alors certes, certaines communautés complètement instrumentalisées ou artificielles, dans le management par exemple, mais aussi des communautés réelles. Alors par contre, ce qui est singulier dans Raconter la vie, c'est peut-être l'encadrement institutionnel d'une invitation à se raconter, à partager son expérience. Invitation à se raconter qui existe déjà très largement partout, sur Facebook, on en a parlé, dans les forums qui intéressent Emmanuel Pirère aussi. Là, la particularité quand même avec Raconter la vie, c'est que ça émane d'en haut. Ça vient pas d'en bas, ça vient du Collège de France. Et là, me semble-t-il, on peut quand même se poser la question de savoir si ça participe pas, au moins en partie, ce qu'on pourrait, en déplaçant un petit peu ce que dit Foucault, nommer comme une volonté de savoir, qui serait l'envers de la représentation désirée par Pierre Rosanvallon. C'est-à-dire un besoin pour les pouvoirs, notamment pour les intellectuels, de savoir ce qui se passe, comment les gens vivent, les gens qui ne sont pas des professionnels de l'écrit, et donc un besoin qui n'est pas complètement étranger, un désir de contrôle, et pas simplement de représentation. Donc, pour conclure vraiment, c'est peut-être là justement ce qu'un projet comme Raconter la vie peut apporter à la littérature.
c'est-à-dire l'obliger à préciser ou à inventer des réponses alternatives à ce projet, mais aussi l'amener à se dire que les critiques qu'on peut formuler à l'égard d'un tel projet nous concernent aussi, tous les jours, dans l'exercice de nos métiers, de professionnels de l'écrit. Je crois que l'intérêt de ce cycle est aussi lié à son risque, qui est celui de se poser en gentil littéraire contre le vilain storytelling. Le storytelling, c'est toujours les autres, les managers, les communicants qui sont dans la manipulation, tandis que la littérature serait du côté du subtil et de l'ouvert. Il me semble, pour ma part, plus intéressant de voir en quoi nous participons, consciemment ou non, volontairement ou non, d'un ordre du discours qui nous dérange, mais qui nous arrange aussi à la fois. Et que donc, plutôt qu'ériger la littérature en une valeur, on peut essayer de voir concrètement, techniquement, comment elle peut être utilisée davantage comme une arme, plutôt que comme un signe de reconnaissance ou comme un patrimoine. Merci. Merci beaucoup. On a entendu une critique de gauche et une critique de droite. Pourrait-on entendre la critique de droite s'inquiétant des fins de dissolution de la littérature dans le récit commun et de dissolution du discours sur la littérature dans le discours sur le savoir, et un récit de gauche à la Rancière qui s'inquiéterait de la réappropriation par ceux qui voudraient libérer la parole de ceux dont on veut essayer de traduire la parole. Et je crois que tu as vraiment bien analysé ces directives très difficiles auxquelles ont été confrontés aussi des gens comme François Bon, tu l'as raconté aussi. Alors je crois qu'on va vraiment avoir, on me fait signe que le repas est prêt, vraiment voilà 3-4 minutes. Je fais signe au monsieur qui me fait signe qu'on mange. Je dis 5 minutes de discussion autour de ce projet. J'ai vu beaucoup de hochements de tête, de signes au contraire des approbateurs. En faisant circuler le micro, je suis sûr qu'on aura quelques retours sur ton analyse, effectivement, qui est assez critique. Disons que tu soulignes le micro est là-bas. Enfin, les bienfaits possibles et les dangers de la réappropriation de ces discours. Oui. Merci pour cette analyse très subtile d'un site que je ne connaissais pas ou très superficiellement. Je me demande en fait si votre critique ou la différence d'opinion entre vous et les créateurs du site ne se concentre pas dans l'usage du mot roman, en fait, parce que je crois que si on prend ce mot au sens métaphorique, roman dans le sens, disons, Stendhalien, où ce serait un miroir qu'on se promène, ou dans le sens basacien même, où ce sera tout simplement une image sous forme de récit de la vie réelle. Donc si on le prend dans le sens métaphorique et large, ça va. Mais la méprise ou le problème commence, on commence à prendre ce mot au sérieux dans le sens littéraire d'un genre littéraire qui donc introduit tous les implications que vous avez expliquées, qui commence à représenter peut-être une menace à l'égard de la littérature. Parce qu'au départ, ce site, comme vous l'avez très bien expliqué, donne une forme, un dispositif à une pratique qui existe depuis longtemps, et c'est juste l'invitation et la formalisation de cette invitation et de ce dispositif qui différencie cette pratique, et donc aussi le discours qui existe autour, que les créateurs ont créé autour, et qui se concentre donc dans cette image, dans cette idée de lier cette pratique à la littérature et le présenter comme un roman vrai. Donc je crois que cela dépend de comment ce mot, comment ce slogan est compris par les usagers, si on le considère comme une menace à l'égard de la littérature, ou bien comme une autre forme de cette pratique de se raconter qui peut être
très bien justifié, comme un partage de savoir, ou tout ce que vous voulez. Oui, tout à fait. Et là, j'insiste encore sur ce qu'a dit Pauline Pérez, hein, que c'était pas leur volonté, et que vraiment, eux, ils revendiquent le fait que leur ambition, elle est d'abord sociale, elle est d'abord de créer cette lisibilité. Et donc, qu'en fait, c'est plutôt les littéraires qui vont avoir tendance à projeter, ils voient le mot roman, et ils se disent, bon, c'est notre chasse gardée, ça parle de nous. Je suis d'accord avec vous, je pense que c'est pas qu'une question de mal ou comprendre d'une certaine manière cet intitulé roman, parce que ne serait-ce qu'avec ben voilà, Pierre Rosanvallon, c'est quelqu'un de connu, de reconnu dans le milieu intellectuel, c'est un projet qui émane du Collège de France, donc aussi ces pratiques qui existaient depuis longtemps, un site comme Raconter la vie a eu des vues de la part de notamment d'intellectuels, a eu des échos dans les médias, que ce soit les émissions radio qui lui ont été consacrées, qui ont amené des gens à lire ces récits. Donc ça a amené un flux de visiteurs et d'intérêt qui est très différent de celui qui existe sur des blogs, par exemple. Je crois aussi que ce projet... Il revendique justement le fait de construire une visibilité différente. Et cette visibilité différente, elle passe notamment par le fait de s'adresser aussi aux journalistes, aux écrivains, aux universitaires, aux littéraires. Et ça change un tout petit peu la donne, me semble-t-il. Mais évidemment, ce recoupement, disons, entre des phénomènes ou des pratiques qui existent dans la littérature contemporaine et qui existent ailleurs, hein, qui existent dans la sociologie, qui existent dans le journalisme, le reportage, n'est pas du tout pensé par le site comme une mise en concurrence. C'est quelque chose qu'on peut voir peut-être de l'extérieur pour essayer d'expliquer les réactions. C'était plutôt mon point de vue. Je crains qu'on continue la discussion autour du repas parce que l'instigation à manger est vraiment très forte de la part des gens du Crous.